Bienvenue pour ce nouvel épisode d'en avant-Marx. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger en plein cœur de la révolution de 1848, en plein printemps des peuples. Commencée à Paris le 22 février, la révolution se propage rapidement et en quelques semaines à peine, elle s'impose comme une révolution européenne. Pour Marx et Engels, qui viennent de tout juste d'élaborer leur conception matérialiste de l'histoire et de participer à la réorganisation du mouvement communiste, L'expérience de la Révolution est l'occasion de confronter leurs théories à l'épreuve de la pratique. Pendant un an, d'avril 1848 au mois de mai 1849, Marx et Engels participent activement à la Révolution allemande. Ils écrivent des centaines d'articles, analysent au quotidien les dynamiques qui travaillent ce processus. Complexe et inédit, proposent des mots d'ordre, débattent de choix tactiques, polémiques avec leurs adversaires, travaillent le mouvement de l'intérieur de ces organisations. Bref, on peut dire qu'il s'agit du moment le plus militant de leur trajectoire. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Statis Kouvelakis. Statis, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Je suis très heureuse de vous avoir euh, avec nous. Euh, je pense pouvoir dire que vous êtes un des plus grands euh, lecteurs de Marx euh, aujourd'hui en France. Vous avez écrit de nombreux livres à son sujet. Je n'ai pas le temps de tous les nommer, mais je les recommande tous chaudement. Euh, je précise par ailleurs que vous êtes aussi militant, euh, membre du comité euh, de rédaction de la revue Contretemps. Alors, avant d'entrer dans la Révolution elle-même, euh, je propose qu'on évoque brièvement là où en sont Marx et Engels à la veille de la, révolu euh, la, veille de la Révolution, euh, sur la façon dont ils sont outillés pour comprendre et intervenir euh, dans cette séquence, et je propose qu'on reparte en particulier du Manifeste du Parti Communiste, qui est un texte évidemment euh, central, et qui est en fait rédigé juste à la veille de la Révolution de 1848. Alors, c'est peut-être une première question d'ordre assez général sur le Manifeste, euh, donc c'est un, te un texte au statut un peu particulier, puisqu'il se présente à, comme une synthèse des positions théoriques et politiques euh, auxquelles sont arrivés Marx et Engels à l'issue de leur trajectoire euh, de jeunesse. Euh, et en même temps, c'est un, un texte dont le registre euh, tranche un peu avec leurs élaborations pré précédentes. Euh, donc ma première question, c'est celle-là. Est-ce qu'on peut dire que le manifeste du Parti communiste est leur premier texte de stratégie euh, Oui, on peut dire que le manifeste, vous venez de le dire, est un texte au statut hybride. Au centre se trouve, comme le titre l'indique, l'exposé de ce qu'est le communisme pour Marx et Engels. Il faut mettre l'accent aussi sur l'apport d'Engels hein, et sur sa présence continue tout au long de cette séquence. Hein. Il est l'égal de Marx dans toute cette entreprise. Le manifeste donc... Euh, place au centre de son analyse la compréhension de la société bourgeoise moderne. Et, et pour ce faire, il expose une vision de l'histoire centrée autour de la lutte des classes et euh, en situant la singularité du moment présent, c'est-à-dire de la société bourgeoise moderne, et des perspectives historiques et politiques que cela ouvre, donc le communisme justement. Euh, alors à cette vision de l'histoire euh, s'articule une vision qui est plus centrée sur la conjoncture. Et qui dit conjoncture dit évidemment problème de stratégie et d'intervention politique. Alors, l'articulation de ces deux dimensions n'est pas évidente dans le manifeste. Hein, et d'ailleurs, les passages proprement stratégiques ou stratégiques et tactiques sont beaucoup moins développés euh, que la vision historique d'ensemble c'est normal. Euh, de toute façon, un texte court, incisif, qui devait servir à, comme une sorte de carte d'identité euh, de la ligue des communistes, pour laquelle il a été écrit, ne pouvait pas s'étendre de façon détaillée sur une analyse de conjoncture des divers pays, vu que l'ambition de ce texte est de couvrir au moins le champ européen tout entier. Bon. donc, euh, c'est plutôt vers la fin qu'on trouve des considérations qui se rapportent à, à divers, euh, à divers pays euh, en, en particulier, et en particulier à l'allemagne, puisqu'il a été écrit pour le compte d'une organisation allemande. La Ligue des Communistes est une, est une organisation allemande, même si l'ambition est, est évidemment internationale et même internationaliste. Donc euh, c'est effectivement un texte essentiel pour comprendre à la fois euh, où en sont Marx et Engels d'un point de vue théorique et aussi quelle est la ligne qui va être mise à l'épreuve au cours de l'expérience révolutionnaire. Et ça, il faut souligner la singularité euh, extraordinaire du manifeste, qui est que c'est un texte qui euh, euh, proclame... Une révolution à la veille justement où celle-ci va effectivement se produire. Le paradoxe, c'est que le texte lui-même sera très peu diffusé en fait au cours de la de la révolution de 1848. La plupart des exemplaires seront saisis lors des tentatives de passage de la frontière allemande par la par la police. Le, le texte ne connaîtra une véritable postérité que beaucoup plus tard en fait, à partir des années 1870-1880. Néanmoins, quand on examine quelle est l'intervention de Marx et d'Engels dans cette séquence, c'est toujours du manifeste qu'il faut partir. Ok très bien. Alors je vous propose d'écouter sans plus attendre un premier extrait du manifeste du Parti communiste, euh, ce texte donc visionnaire comme vous l'avez dit, interprété par Adèle Henel. Les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers. Ils n'ont point d'intérêt qui les sépare de l'ensemble du prolétariat. Ils n'établissent pas de principes particuliers sur lesquels ils voudraient modeler le mouvement ouvrier. Les communistes ne se distinguent des autres partis ouvriers que sur deux points. Un, dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat. Deux, dans les différentes phases que traverse la lutte entre prolétaires et bourgeois, ils représentent toujours les intérêts du mouvement dans sa totalité. Pratiquement, les communistes sont donc la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui stimule toutes les autres. Théoriquement, ils ont sur le reste du prolétariat l'avantage d'une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien. Le but immédiat des communistes est le même que celui de tous les partis ouvriers. Constitution des prolétaires en classe, renversement de la domination bourgeoise, conquête du pouvoir politique par le prolétariat. Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou découverts par tel ou tel réformateur du monde. Elles ne sont que l'expression générale des conditions réelles d'une lutte de classe existante, d'un mouvement historique qui s'opère sous nos yeux. L'abolition des rapports de propriété qui ont existé jusqu'ici n'est pas le caractère distinctif du communisme. Le régime de la propriété a subi de continuels changements, de continuelles transformations historiques. La Révolution française, par exemple, a aboli la propriété féodale au profit de la propriété bourgeoise. Ce qui caractérise le communisme, ce n'est pas l'abolition de la propriété en général, mais l'abolition de la propriété bourgeoise. En ce sens, les communistes peuvent résumer leur théorie dans cette formule unique abolition de la propriété privée. Statis, on vient d'entendre un extrait qui est assez connu euh, du manifeste du Parti communiste, en même temps qui est assez dense. Donc ma question, elle sera simple et à la fois euh, peut-être un peu euh, compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire euh, être communiste pour Marx et Engels au moment du manifeste et en quoi euh, Marx et Engels ont précisé euh, leur, leur position par rapport euh, à leur texte précédent sur cette question euh, particulière oui en effet je crois qu'il faut revenir sur le communisme puisque c'est de ça qu'il s'agit dans le, dans le manifeste en fin de compte et euh, le communisme pour marx et engels n'est pas euh, une idée transhistorique. Euh, ça, je crois que c'est un point extrêmement, extrêmement important. Euh, c'est une idée, euh, ce n'est pas une doctrine qu'on expose et qu'on applique. Ce n'est pas une sorte d'abstraction qu'il s'agit de mettre en pratique dans la, dans la réalité. Euh, bien sûr, euh, il y a une dimension théorique, il y a, il y a un socle théorique, mais, nous disent Marx et Engels dans ce. Dans, cet extrait, dans ce passage du manifeste, euh, ils sont l'expression d'un mouvement réel. Alors, cela veut dire que c'est une possibilité qui doit exister dans le mouvement même de l'histoire et des rapports sociaux. Euh, donc ce n'est pas, euh, contrairement à ce qu'on a appelé les socialistes utopiques, une idée qui est élaborée en quelque sorte en laboratoire, dans leur, dans, dans leur tête, et qu'il s'agit après de, de, mettre, de, de mettre en pratique, ce n'est pas non plus une sorte de, de grande idée transhistorique euh, qui traverse toute l'histoire humaine, c'est quelque chose qui présuppose les rapports sociaux modernes, les rapports de la société bourgeoise. Et si je dis ça, c'est que récemment, euh, l'idée du communisme est revenue précisément en tant qu'idée, euh, notamment à travers les élaborations d'Alain Badiou, par exemple. Et Badiou considère qu'en fait, le communisme, c'est quelque chose comme une idée platonicienne, c'est l'idée d'égalité euh, qui existe dans toute l'histoire, ou en tout cas dans toute l'histoire de la société de classe. Or, Marx et Engels dans le manifeste ne nous disent pas ça du tout. Ils nous disent que le communisme tel que eux, ils l'entendent, est quelque chose qui présuppose euh, l'existence de la société moderne. Pourquoi Pour deux raisons, je dirais. Premièrement, parce que ce n'est que dans la société moderne qu'on a assisté à un phénomène qui avait été, certes, ébauché. Lors des précédentes formes de société de classe, mais qui n'atteint son plein achèvement qu'avec la société bourgeoise, qu'avec le capitalisme, c'est-à-dire la séparation complète des entre les producteurs et les moyens de production, l'exclusion de, de ce qu'ils appellent dans le manifeste la propriété privée, euh, de la quasi-totalité des producteurs. Et ça, ça ouvre justement une possibilité historique qui n'existait pas auparavant, car. Ces producteurs exclus de la propriété du contrôle euh, des, des moyens de production et d'échange euh, ne peuvent que renverser la totalité de l'édifice social qui est basé précisément sur cette propriété privée. D'où le fait que Marx et Engels se disent notre mot d'ordre se résume à abolition de la société privée. Cette possibilité n'existait pas dans les sociétés antérieures, car euh, les producteurs avaient toujours une forme d'accès précisément aux moyens de production. La petite production paysanne, par exemple, euh, la petite production marchande, euh, donc, euh, et, et surtout les formes de société rurales qui ont en réalité jalonné la plus grande partie de l'histoire de l'humanité. Donc euh, Marx et Engels disent voilà il y a une possibilité d'émancipation d'un type radicalement nouveau qui ne peut exister euh, que dans le mouvement de négation, de dépassement, d'abolition des rapports sociaux de la société moderne. Ça c'est là ça c'est le premier point. D'où le fait que le prolétariat a des caractères distinctifs qui le différencient de toutes les autres classes opprimées et dominées, même si évidemment le fait d'être une classe dominée et opprimée le met quelque part sur une position commune avec les... Précédentes classes dans l'histoire qui ont occupé une position similaire, on va dire. La deuxième, le deuxième aspect pour lequel le communisme, pour Marx et Engels, est le produit spécifique de la société moderne, c'est qu'il s'appuie sur les acquis de la société bourgeoise. Alors, ça, c'est un point particulièrement important parce que la vision du communisme qui dominait à cette époque, euh, par exemple, la, chez Étienne Cabet, l'un des premiers théoriciens communistes, mais aussi en un sens dans le courant néo-babouviste, issu de Gracchus Babeuf, la, le premier communiste sans doute qui apparaît euh, vers la fin de la, de la séquence révolutionnaire de, de 1789 et des années 1790. Eh bien, pour ces gens-là, le communisme était une société parfaitement égalitaire, mais qui revenait à une forme d'austérité, d'ascétisme. Euh, C'était euh, le, le, le refus justement de ce qu'on appelait à l'époque le luxe, euh, le, ce, ce que la société commerçante, bourgeoise, naissante euh, apportait. Or, pour Marx et Engels, ce n'est pas du tout ça. Euh, le communisme s'appuie sur précisément toute euh, cette explosion de forces productives euh, que la bourgeoisie, que le monde bourgeois a porté euh, en son sein. Et c'est. Pourquoi le manifeste justement ce livre à ce portrait extrêmement lyrique de ce monde nouveau qui apparaît, qui est à la fois magnifique, fascinant et horrible, bien sûr, parce qu'il est basé sur euh, l'exploitation et, et la domination sans précédent d'énormes masses humaines. Mais il ouvre euh, des possibilités euh, émancipatrices, euh, des possibilités à la fois de bien-être matériel, mais aussi de bien-être culturel, d'ouverture, euh, de dépassement de l'horizon borné, étroit, provincial, euh, de mondialisation, d'épanouissement des individus. Individualité aussi, euh, suivant euh, Hegel, Marx et Engels reconnaissent que la société bourgeoise euh, euh, a une permet quelque chose de contradictoire par rapport à l'individualité humaine. En même temps, elle lui offre une possibilité, une promesse d'émancipation. Et en même temps, évidemment, puisqu'elle l'enserre dans des formes de domination, d'aliénation et d'exploitation, elle empêche le développement de cette individualité. Donc, pour eux, il s'agit, c'est sur la base de ces acquis de la société bourgeoise que le communisme peut se développer. Donc, quand ils disent, c'est l'expression d'un mouvement réel qui se déroule sous nos yeux, ça veut dire les deux choses une possibilité qui est portée par la lutte des classes par l'antagonisme frontal entre la classe capitaliste bourgeoise et le prolétariat d'un côté pour simplifier hein, à un grand niveau d'abstraction mais aussi sur la base des acquis de la société bourgeoise sur la base de la rupture que représente l'avènement de cette société dans toute l'histoire humaine. Encore, ça, ça me paraît euh, important ce que, ce que vous dites et le fait d'insister sur le fait que la perspective communiste n'est pas simplement une idée, comme euh, vous l'avez dit, mais que c'est lié à une compréhension du développement euh, historique, historique euh, chez Marx et Engels. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur euh, le mot « parti » Parce que donc, le manifeste du Parti communiste s'appelle « Manifeste du Parti communiste », il a été commandé, comme vous l'avez rappelé, on l'avait vu dans la première euh, émission euh, par la Ligue des communistes que Marx et Engels participent à euh, refonder en 1847. Pourquoi est-ce que le Manifeste du Parti communiste ne s'appelle pas « Manifeste de la Ligue des communistes et comment est-ce que Marx et Engels euh, pensent la question du parti euh, en 1848 Voilà, alors là, bon, je crois que ça a été dit par Isabelle Garraud et Michael Levy lors des émissions précédentes, mais il faut le rappeler car c'est un point tout à fait décisif. La notion de parti, non seulement dans ce texte, mais à l'époque où il est écrit et en réalité bien après au 19e siècle, ne correspond pas du tout à ce que nous entendons spontanément par parti aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on dit parti à l'époque, on ne se réfère pas à euh, une organisation distincte et en particulier à une organisation avec euh, des adhérents qui participent aux élections, qui possèdent une, une structure bien, bien définie. Non, le parti à l'époque, ça signifie un courant d'opinion plus ou moins structuré selon les formes qui existaient à l'époque, hein, des clubs, des journaux, euh, des... Bon, donc, euh, un, 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 Victor Hugo, par exemple, dit euh, « Je suis le représentant du Parti libéral, à peu près à la même époque », ou bien « Les journaux, les principaux républicains... » Les principaux journaux républicains en France à l'époque, le, le National et la Réforme, disent ⁇ nous sommes les organes du Parti républicain ⁇ ça ne veut pas dire parti au sens d'une Structuré. organisation structurée, ça veut dire un, un courant d'idées qui possède néanmoins une certaine cohérence, avec évidemment plusieurs sensibilités qui existent, mais qui apparaît publiquement en tant que tel. Hein. Donc ça veut dire que c'est une composante à part entière du débat public, du débat politique dans lequel de plus en plus de, 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 de gens s'impliquent hein, à l'époque. Bon. Donc le Parti communiste, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça que quand ils disent les communistes ne forment pas un parti distinct des autres partis ouvriers, eh bien ils veulent dire qu'ils s'insèrent. Justement, euh, dans l'ensemble euh, des mouvements, des organisations, des formes d'organisation et de structuration que le mouvement ouvrier se de, euh, construit à l'époque, dont il, dont, il dont il se dote, mais il représente une tendance spécifique en son sein. Et ils expliquent quelles sont justement ces spécificités. Eh bien, ils en mentionnent deux, et il faut euh, ici les, les, les rappeler parce qu'ils sont effectivement fondamentales. La première, c'est l'internationalisme. Donc... Euh, et et c'est celle, qui, mette, euh, oh, celle qui, cite, qui cite en premier. Hein. Donc l'internationalisme, ici, ne doit pas être compris... Euh, on n'a pas le sans doute le temps de, de développer euh, ce point en ce qui concerne le manifeste, mais il est particulièrement important pour les révolutions de 1848. Euh, l'internationalisme ne repose pas sur la négation du fait national. Il représente, comme dit ici euh, cet extrait, sur la compréhension du fait qu'il y a un intérêt commun du prolétariat, de tous les pays, donc qui est au-dessus justement de leurs distinctions nationales. Cela ne signifie pas que ces distinctions n'existent pas et qu'elles ne seront même pas appelées à perdurer. Les révolutions de 1848, vous l'avez mentionné dans votre introduction, sont connues comme le printemps des peuples. La première des revendications... Dans la plupart des pays ou des pays en formation où euh, des mouvements révolutionnaires surgissent à ce moment-là, c'est justement la constitution d'États nationaux, la libération nationale, l'émancipation nationale, l'unification nationale. Et Marx et Engels eux-mêmes sont très impliqués dans ce processus parce que l'unité allemande, l'unification allemande sur des bases démocratiques est vient en tout premier lieu dans leur agenda euh, stratégique et politique immédiat. Hein. Donc, donc, internationalisme qui va au-delà euh, du fait national, qui s'appuie sur le fait que, d'un point de vue de classe, les prolétaires des euh, différentes nationalités ont des intérêts communs qui sont supérieurs aux distinctions nationales. La deuxième chose, c'est qu'ils ont, comme ils disent, une compréhension claire. De la totalité du mouvement et de son orientation du but. Hein. Et ça, je crois que c'est important. C'est-à-dire que le communisme, quand on dit que le communisme est l'expression du mouvement réel qui se déroule sous nos yeux, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui existe spontanément dans le mouvement même du développement du capitalisme. Hein. C'est souvent. Euh, pour citer un exemple de théoricien contemporain, l'impression qu'on a quand on lit les écrits de Tony Negri, par exemple. Selon Tony Negri, on est déjà dans le communisme sans le savoir. Hein, ou, sur un mode très très différent de Tony Negri, je pense par exemple à Bernard Friot qui nous parle du déjà-là, le déjà-là du communisme. Pour lui, évidemment, c'est un produit, c'est un, un, un conquis social, comme il dit. C'est quelque chose qui existe dans, une, euh, dans, dans un certain État, dans une institution spécifique. Mais pour Marx et Engels, le communisme est quelque chose qui est porté dans le sens où j'ai défini auparavant, mais ça ne sera pas spontané. Pour qu'il y ait du communisme, il faut qu'il y ait des communistes, il faut qu'il y ait une construction politique, il faut donc qu'il y ait la, une vision d'ensemble de la société, de la situation euh, nationale et même mondiale, et aussi du but vers lequel vers lequel on va. Donc le communisme, c'est ces deux choses-là. Ce n'est pas une recette toute faite qu'on applique. Ce n'est pas un projet de société future clé en main, une utopie qu'il s'agit de, de réaliser. C'est une possibilité qui surgit des contradictions et des antagonismes du présent, mais c'est aussi une proposition politique. Et sans cette proposition politique, cette possibilité ne, veut, ne peut pas devenir réalité, justement, ne peut pas devenir effective, ne peut pas être une force concrètement agissante. Donc, c'est toujours sur cette, sur cette tension, sur cette ligne de crête, en fait, qu'il faut euh, comprendre la tâche concrète justement des communistes organisés en partie comme une tendance à l'intérieur euh, du mouvement ouvrier euh, plus large. Hein. On a parfois dit, et je crois que c'est la formulation de Michael Levy qui me semble euh, euh, pertinente, que c'est une fraction, une tendance organisée, structurée à l'intérieur de la classe, du parti classe, euh, tel que Marx le comprenne à l'époque quand il parle des partis ouvriers ou du parti ouvrier. D'accord. Très bien. Alors, euh, le texte du manifeste, dont, dont on rappelait qu'il était rédigé quelques semaines avant la révolution, il est traversé par l'idée, par la vision qu'ont Marx et Engels qu'une révolution gronde et qu'elle va bientôt éclater. Euh, ils fondent en particulier leurs espoirs sur l'Allemagne, hein, qui est leur pays natal, je le rappelle, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent. Euh, et je propose là encore d'écouter un extrait euh, pour donner à celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent une prise directe sur la pensée de Marx et Engels sur cette question donc de la révolution qui vient. En Allemagne, le Parti communiste lutte en accord avec la bourgeoisie à chaque fois que la bourgeoisie agit révolutionnairement contre la monarchie absolue, la propriété foncière féodale et la petite bourgeoisie. Mais à aucun moment il ne néglige d'éveiller chez les ouvriers une conscience claire et nette de l'antagonisme violent qui existe entre la bourgeoisie et le prolétariat, afin que, leur venue, les ouvriers allemands sachent convertir les conditions politiques et sociales créées par le régime bourgeois en autant d'armes contre la bourgeoisie afin que, sitôt détruites les classes réactionnaires de l'Allemagne, la lutte puisse s'engager contre la bourgeoisie elle même. C'est vers l'Allemagne que se tourne surtout l'attention des communistes, parce que l'Allemagne se trouve à la veille d'une révolution bourgeoise, parce qu'elle accomplira cette révolution dans des conditions plus avancées de la civilisation européenne et avec un prolétariat infiniment plus développé que l'Angleterre et la France au XVIe et au XVIIIe siècle, et que, par conséquent, la révolution bourgeoise allemande ne saurait être que le prélude immédiat d'une révolution prolétarienne. Alors, on vient d'entendre de, un extrait du manifeste sur cette question de la révolution en Allemagne euh, et quelques préconisations ou hypothèses que formulent Marx et Engels à son propos. Euh, Est-ce qu'il faut comprendre que Marx et Engels préconisent une sorte de front unique avec euh, la bourgeoisie allemande euh, dans la révolution à venir, puisqu'on a presque l'impression d'entendre euh, la, la proposition d'un en même temps euh, Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur, euh, sur, ces, sur ces questions oui, alors je crois qu'avant de parler du cas de, de l'Allemagne en particulier, il faut rappeler quelques fondamentaux du, du scénario révolutionnaire tel qu'il est envisagé dans le manifeste d'une façon générale. Alors il faut dire tout d'abord que, euh, que le, le point de départ est le suivant la possibilité d'une révolution sociale, d'une révolution communiste, d'une révolution qui pose la question de l'abolition de la propriété privée, telle que nous l'avons vu avant dans l'Europe de 1848 pour Marx et Engels, repose sur ce que le manifeste développe d'une façon extrêmement claire, sur le fait que le capitalisme, la société bourgeoise, est face à une crise dont elle ne pourra pas se remettre. Cette crise s'appuie sur le fait que comme le mode de production qui l'a précédé, c'est-à-dire le féodalisme, euh, la contradiction entre le développement des forces productives et, et toute la, la gamme de possibilités euh, qu'elles qu ouvrent, et les rapports de production qui sont basés précisément sur cette euh, propriété privée, a éclaté. Et cette contradiction, dans le cas de la société bourgeoise, s'exprime par des crises économiques de plus en plus violentes. L'une des raisons d'ailleurs pour laquelle ce n'est pas la seule, hein, il y a aussi une agitation montante dans plusieurs pays d'Europe, mais l'une des raisons pour laquelle il pense que 1848 sera une année révolutionnaire, c'est que justement, dans la plupart des pays d'Europe, une crise économique s'annonce, est en cours, éclate ou est, ou est, ou est sur le point d'éclater. Bon. Donc on a crise, révolution, les deux sont intimement liés et les deux manifestent la contradiction fondamentale de la société capitaliste qu'elle ne peut pas résoudre tant qu'elle reste dans le cadre du capitalisme. Bon. Alors ça, évidemment, c'est une sorte de prévision très générale, à caractère historique. Il s'agit de voir maintenant comment elle peut se spécifier dans diverses situations. Alors le manifeste offre donc une, une vue sur plusieurs pays européens. Et euh, Marx et Engels combine cette sorte de vision historique, ou articule cette vision euh, historique générale, avec des considérations plus stratégiques pour, selon les divers pays. Pour la France, par exemple, ils ont pleinement conscience que, d'une façon générale, en Europe, les grandes vagues révolutionnaires partent de France. Ça a été le cas, évidemment, en 1789 avec la Révolution française, mais il y a aussi les révolutions de 1830, hein, qui ont aussi engagé un mouvement euh, révolutionnaire qui a touché d'autres pays européens. Donc, ils s'attendent à ce que le mouvement reparte de la France, et concernant la France, ils disent que... Les communistes, euh, le mouvement ouvrier socialiste et communiste doit s'allier avec la démocratie petite bourgeoise pour conquérir la République contre la monarchie de juillet, le régime qui était, qui était en place. Donc pour la France, ce qu'il prévoit, c'est euh, un moment républicain qui sera dominé par les républicains bourgeois avec immédiatement derrière la petite bourgeoisie républicaine radicalisée et... Sur, ce, sur cette vague, euh, suivra le moment prolétarien, euh, socialiste et communiste à proprement parler. Pour l'Angleterre, ils pensent, ils misent sur un redémarrage du chartisme, du mouvement ouvrier que porte le chartisme. Alors, ils sont aussi réalistes ils savent que, disons, la situation est moins tendue moins révolutionnaire, moins radical, sans doute, en, dans l'Angleterre, dans un autre pays, mais ce qui est perdu en radicalité gagne en profondeur, parce que l'Angleterre est clairement le pays capitaliste le plus développé. En réalité, c'est le seul pays véritablement capitaliste. C'est le seul pays dans lequel l'industrie forme véritablement le cœur de, de l'économie. Donc, il pense qu'en Angleterre, ça peut peut-être tarder, mais ça peut aller plus loin parce que justement, le capitalisme a beaucoup plus avancé et donc le mouvement ouvrier peut aller beaucoup plus loin que dans d'autres pays. Alors, pour l'Allemagne, ce qu'il prévoit... Et, et on peut généraliser d'ailleurs ça dans la vue qu'ils ont dans l'échelle le, dans le, dans, dans du 48 européen, si on veut. Parce qu'on a vu qu'à l'exception de l'Angleterre, dans les autres pays, ce n'est franchement pas le capitalisme industriel qui prédomine. Donc ce n'est pas le prolétariat qui constitue la masse des producteurs. La plupart des sociétés euh, d'Europe continentale, sans doute à l'exception de la Belgique, sont encore des sociétés où la paysannerie domine, par exemple, dans la population active. Alors, le scénario. Euh, stratégique qu'il voit pour le continent européen, c'est celui de la répétition radicalisation de la Révolution française. Alors, et, et, et c'est ce qu'on voit dans l'extrait qu'on vient d'entendre justement, c'est-à-dire que euh, il prévoit une phase euh, démocratique bourgeoise. Hein. Ils disent l'Allemagne est, est à la veille de la révolution démocratique bourgeoise, mais on pourrait en dire autant d'autres pays européens, l'Italie par exemple, où la question de l'unification se pose, comme pour l'Allemagne. Euh, du reste, mais euh, cette euh, révolution démocratique bourgeoise se déroulera dans des conditions très différentes de 1789. Pourquoi Parce que euh, les conditions économiques et sociales euh, ont mûri dans le sens du développement capitaliste, parce que les couches euh, prolétaires sont déjà sur le point, sont sur le devant de la scène ou sur le point justement d'apparaître sur le devant de la scène. Les luttes de classe prennent donc une configuration différente de celle de 89, néanmoins, euh, une médiation sera nécessaire dans ces pays. C'est-à-dire que euh, le mouvement ouvrier, la classe ouvrière ne peuvent pas passer tout de suite à l'étape du communisme. Il y aura d'abord une phase démocratique bourgeoise. Alors, cette phase, selon Marx et Engels, est euh, le prélude immédiat, disent-ils. Hein. Donc, il faut être clair, ce n'est pas une étape historique longues. Hein. Ils ne sont pas dans une vision qu'on appellera par la suite étapiste, hein, dans lequel il s'agit de lutter pour que le capitalisme se développe, pour que euh, avec le développement du capitalisme une classe ouvrière nombreuse surgisse et alors là quand les conditions seront mûres on pourra passer à une révolution socialiste. Non, ce n'est pas ça qu'ils disent. Ils disent que c'est un processus ininterrompu qui va en se radicalisant. Alors ça c'est la première hypothèse, c'est-à-dire que le mouvement est ascendant comme celui de la Révolution française, hein. 1789, 1792 et jusqu'en 1794 en réalité, la Révolution française suit une courbe ascendante. Bien sûr, il y a des échecs, il y a des reculs du mouvement populaire, mais à chaque fois, ces reculs permettent de rebondir et de passer à une phase de radicalisation. Donc, c'est cette phase d'un processus qui se nourrit en quelque sorte de sa propre dynamique, qui franchit des seuils et des étapes dans le sens d'une radicalisation croissante, c'est ce schéma-là qu'ils ont en tête quand ils parlent de l'Allemagne avec une séquence révolution démocratique bourgeoise, prélude immédiat d'une révolution qui va plus loin, qui remet en cause l'ordre bourgeois. Et le deuxième élément, qui là aussi est directement inspiré de la révolution française, qui est développé... Euh, moins dans le manifeste, mais surtout et de façon extrêmement insistante dans les textes qu'ils vont écrire par la suite, dans la nouvelle gazette Renan, euh, c'est l'idée qu'une guerre européenne euh, permet de radicaliser le processus révolutionnaire. Là encore, ce qu'ils ont en tête, c'est le cas de la Révolution française, parce que sans la guerre, justement, que toute l'Europe coalisée a décrétée à, à l'époque contre euh, la Révolution française, les courants les plus radicaux n'auraient jamais pu l'emporter. La raison pour laquelle les jacobins ont pu forcer la main de la Convention, c'est que justement, ils apparaissaient comme la fraction qui seule permettait euh, de mobiliser largement le peuple et de l'emporter, euh, de transformer la guerre en une guerre populaire, en une véritable mobilisation populaire contre la coalition contre-révolutionnaire européenne. C'est exactement ce schéma qu'ils veulent transposer en 1848. Donc, ils appellent de leurs vœu. À une guerre européenne. Donc, ça peut paraître étrange pour nous aujourd'hui, mais Marx et Engels en 1848 sont résolument bellicistes. Ils pensent qu'une guerre contre les puissances réactionnaires de l'Europe, l'Empire austro-hongrois, mais avant tout la Russie, hein, pour eux, la Russie, c'est le bastion de la contre-révolution européenne, permettra de radicaliser les processus révolutionnaires dans tous les pays, et notamment en Allemagne. Donc, voilà, refaire 89-93, mais en allant plus loin en remettant euh, en cause dans ce processus de radicalisation euh, les rapports sociaux basés sur la propriété privée. D'accord, merci. Euh, alors, effectivement, vous avez mentionné le schéma ou le modèle de 1789 qui va effectivement imprégner euh, la pensée stratégique et, et les, la façon avec laquelle Marx et Engels vont non seulement saisir et analyser les révolutions de 1948, mais aussi chercher à y intervenir. Euh, et donc, je propose qu'on qu commence et qu'on attaque dans, dans la révolution. Euh, alors, la révolution euh, commence par euh, éclater en France, en tout cas, elle éclate en France euh, le 22 février 1848. À ce moment-là, Marx est à Bruxelles, puisqu'il avait été contraint de quitter Paris euh, quelques années euh, auparavant, euh, la, la révolution de février 1848 donc euh, met à bas la monarchie de juillet, proclame la deuxième république et Marx est autorisé à retourner en France, donc il se rend à Paris. Euh, Engels le rejoint euh, également et c'est là qu'ils apprennent la nouvelle de la révolution euh, du 18 mars à Berlin. Euh, donc la première question que je voulais vous poser c'est bon déjà quelles sont les conséquences directes et qu'est-ce qu'apprennent en fait Marx et Engels euh, à ce moment-là donc sur la révolution du, du 18 mars et euh, comment est-ce qu'ils appréhendent la nouvelle quand ils sont encore à Paris et quels sont notamment les débats qu'ils peuvent avoir peut-être avec les euh, autres ouvriers euh, et artisans allemands qui sont émigrés à Paris, puisqu'on a vu dans les épisodes précédents qu'il y avait une très forte émigration allemande à Paris. Euh, donc quels peuvent être un peu les, les débats et comment est-ce que Marx et Engels réagissent euh, immédiatement après la, la nouvelle de l'insurrection Bien, alors. Quand euh, la Révolution euh, éclate d'abord en France, euh, ils sont à Bruxelles. Et euh, Très peu de temps après, en fait, le nouveau gouvernement révolutionnaire français invite euh, Marx à Paris. C'est Ferdinand Flocon qui, euh, qui l'invite, justement, en disant qu'il serait très honoré de la présence de Marx à, à Paris. Donc, Marx va à Paris. Il se... donc il voit de première main quelle est euh, l'ambiance dans, dans la capitale française, qui est là aussi la capitale des révolutions hein, et plus largement la capitale du 19e siècle, comme disait euh, Walter Benjamin. Donc, il participe à cette euphorie. Il, il la voit. Euh, ils en saisissent la force, la dynamique et aussi évidemment les contradiction beaucoup mieux et de façon beaucoup plus lucide que d'autres, euh, très certainement. Leur scénario se confirme dans, dans, ce, dans, dans ce premier temps, l'hypothèse stratégique telle que je viens de la développer, parce qu'effectivement, ils voient que la bourgeoisie, la bourgeoisie française par exemple, joue effectivement le rôle qu'il lui attribue dans ce premier mouvement révolutionnaire. Ils penseront dans un premier temps que ce sera également le cas en Allemagne. Si on dit que le schéma de 1789-93, mais radicalisé, est valable aussi pour 1848, il faut présupposer une capacité révolutionnaire de la bourgeoisie. Dans un premier temps, en France, cela paraît se confirmer. Il y a effectivement un mouvement républicain dominé par les républicains bourgeois, c'est à peu près ce qu'ils avaient prévu, avec aussi l'aile plus radicale du mouvement républicain qui participe, et même, de façon bien sûr minoritaire, mais quand même symboliquement importante pour la première fois, des ouvriers ou des socialistes qui font partie d'un gouvernement républicain. En l'occurrence, Albert, l'ouvrier Albert et Louis Blanc font partie de ce, de ce premier euh, gouvernement. Donc, il y a ces sortes de fronts communs, effectivement, euh, républicains, dominés par les républicains euh, bourgeois, donc appelés à éclater. On va certainement revenir sur ce point euh, par la suite, mais ce qui se passe en France a l'air de, de les conforter. Euh, les débats qui, lieu, qui ont lieu euh, à Paris. Parmi les émigrés allemands, alors il faut ici rappeler ce qui a été dit dans vos émissions précédentes, c'est-à-dire qu'il y avait une émigration ouvrière, d'ouvriers artisans allemands très importante à Paris à l'époque, que les organisations d'ouvriers allemands émigrés, dont la Ligue des communistes, étaient tout à fait significatives, tout à fait présentes. Et évidemment, le bouillonnement révolutionnaire fait que les, les bonnes volontés révolutionnaires affluent de partout. Et comme souvent, dans ces cas-là, l'enthousiasme est de mise et euh, certains notamment le poète Georg Herweg, euh, veulent constituer une légion de volontaires pour aller... Euh traverser la frontière et se battre en Allemagne. Alors, euh, ça peut nous paraître étrange, mais en réalité, tout le 19e siècle, et même avant 1948, à partir des révolutions de 1830, est jalonné euh, de ces mouvements de volontaires qui se battent pour des causes euh, révolutionnaires ailleurs. Hein. Ça a été le cas euh, notamment pour euh, la guerre d'indépendance en Grèce, par exemple. Garibaldi euh, euh, avait déjà euh, commencé ses entreprises internationalistes de se, de se battre pour euh, la République en Amérique du Sud. Euh, dans d'autres pays européens. Bien sûr, il va continuer euh, euh, pendant toute la séquence des révolutions de 1848, donc ça n'a rien de, de totalement unique. Hein. Bon. Sauf que euh, Marx et Engels euh, s'opposent résolument assez, assez tentatives, euh, car il voit bien qu'il s'agit d'une aventure qui peut et, et mal tourner, euh, tout simplement parce qu'on ne laissera pas les laisser volontaires passer, euh, et, et, et surtout parce que ce type euh, de, de volontarisme et de romantisme politique va à l'encontre de ce que eux considèrent comme étant le choix qui s'impose pour des militants et des cadres du mouvement ouvrier de l'époque, c'est-à-dire retourner en Allemagne et travailler, faire un travail de masse, se lier véritablement, concrètement avec le mouvement révolutionnaire émergent et avec les formes qu'il se donne pour pouvoir jouer un rôle réel et non pas dans des aventures en quelque sorte romantiques et exaltées de ce type. Et ils auront tout à fait raison parce que effectivement, dès qu'elle tentera de traverser la frontière belge et allemande, cette légion de volontaires se fera tailler en pièces en fait et donc ne donnera, ne donnera strictement rien. Donc très rapidement, en fait, il rentre en Allemagne et là, Marx et Engels commencent leur grande entreprise qui est la fondation d'un journal la nouvelle gazette, gazette Rénane. Et euh, c'est un point sur lequel on va, je pense, euh, revenir. Ce n'est pas tant sur la Ligue des communistes qu'ils vont miser, ce n'est même pas du tout sur la Ligue des communistes qu'ils vont, qu vont miser, euh, mais sur une tentative de construire un réseau qui va pousser justement dans le sens de cette radicalisation d'un processus révolutionnaire que, euh, tel que je l'ai évoqué euh, auparavant. Bah parfait, ça fait exactement la transition avec la question que je voulais vous poser, à savoir donc effectivement Marx et Engels rentrent en Allemagne euh, ils arrivent à Cologne euh, qui est la ville où Marx avait été connu puisqu'il avait euh, dirigé la, la Gazette Rénan en 1842 et assez rapidement ils sont amenés à faire à prendre toute une série de, de, de choix tactiques, donc vous en avez mentionné certains, donc ils font une nouvelle revue qui s'appelle la Nouvelle Gazette Rénan pour laquelle ils font toute une campagne pour avoir des fonds etc. et qui va être le principal lieu où ils vont élaborer et cette Nouvelle Gazette Rénan porte le sous-titre organes de la démocratie donc ça c'est un premier choix symbolique on, on pourrait dire mais qui est important euh, j'imagine euh, la deuxième chose c'est que effectivement ils n'interviennent pas finalement depuis les organisations ouvrières mais ils se concentrent plutôt sur euh, ce qu'on appelle les associations ou les organisations du parti démocratique euh, est-ce qu'il faut comprendre ça comme une euh, un revirement tactique par rapport au schéma qui avait été euh, euh, celui que vous avez rappelé euh, du manifeste même si vous avez aussi rappelé que ce schéma il restait assez général et et il fallait voir comment est-ce que dans la pratique, il, il, il prenait forme. Euh, donc, est-ce que oui ou non, c'est un revirement tactique Et euh, est-ce que euh, ces choix-là font, euh, font débat ou pas dans le mouvement communiste de l'époque Et je pense notamment à d'autres figures, quand on étudie un petit peu la révolution en Allemagne, comme Andreas Gottschalk. Euh, est-ce que vous pourrez revenir un petit peu sur, sur ces débats Oui, oui, oui. Alors, rappelons que dans, dans l'extrait que nous avons euh, euh, entendu il y, a, il y a un instant, euh, Marx et Engels, après avoir justement euh, prôné euh, le front commun avec la bourgeoisie, toutes les fois que la bourgeoisie a agi révolutionnairement contre la monarchie absolue, donc on est bien dans un cadre de front unique, hein, on a un adversaire commun, c'est l'absolutisme, c'est la féodalité, euh, alors à aucun moment... Le Parti communiste néglige d'éveiller chez les bourgeois une conscience claire et nette de l'antagonisme violent qui existe entre la bourgeoisie et le prolétariat, afin que leur venue, les ouvriers allemands sachent convertir ces conditions sociales créées par le régime bourgeois en, en armes contre la bourgeoisie. Donc, ce qui est préconisé ici, c'est euh, en quelque sorte euh, combiner le front unique avec une organisation indépendante. Du prolétariat euh, qui s'appuie sur l'idée de l'antagonisme, justement, qui existe entre ses intérêts et euh, ceux de la bourgeoisie. Alors, euh, ce qui sur le papier ici a été, a été dit s'avérera beaucoup plus difficile à réaliser dans la, dans la pratique. Hein. Alors, comme souvent, hein, l'expérience concrète montre que les choses suivent des chemins beaucoup plus tortueux que ce qu'on avait pensé au, au début, et c'est normal. Hein. Hegel disait on ne peut pas avoir la science avant la science, mais c'est a fortiori encore plus valable en matière de stratégie politique. Quand on n'a pas fait l'expérience concrète euh, de la lutte des classes euh, sont à, à, à l'échelle réelle, euh, les schémas, même s'ils peuvent paraître réalistes et, et raisonnables, euh, restent dans, dans l'abstraction. Alors, quand Marx et Engels rentrent en Allemagne à Cologne, euh, ils font en réalité un double choix. Le premier, c'est qu'ils se dotent de l'outil politique qui leur semble le plus adapté à la stratégie du Front unique. Car euh, l'adversaire qui domine à l'époque en Allemagne, c'est l'Ancien Régime, c'est l'Absolutisme, c'est euh, une féodalité certes en bourgeoisie, mais qui exprime quand même une forme d'Ancien Régime extrêmement euh, réactionnaire. Et euh, contrairement à la France, où on a un régime républicain, en Allemagne, on est très loin du compte. L'Allemagne reste émiettée, les deux assemblées qui se constituent à Berlin et à, et à Francfort ont une attitude en réalité... Très peu radical, très peu déterminé de, de, depuis le début. Donc, il est clair qu'on s'engage dans, dans un combat sur, sur, le long, sur le long terme, Enfin, en, en tout cas sur la durée. Euh, donc, euh, la priorité donnée au Front Unique signifie qu'on se donne de l'outil qui est le plus adéquat. Et ça, c'est la Nouvelle Gazette Rénan, en effet. La Nouvelle Gazette Rénan, organe de la démocratie, c'est le sous-titre, se veut exactement ça l'organe de la démocratie et du peuple. Euh, le prolétariat et euh, la couverture qui est donnée par le journal euh, aux initiatives concrètes du, de, des, des organisations ouvrières sera minimale, hein, quasiment inexistante en réalité. Euh, et, et notamment de la part des articles, du côté des articles que Marx et Engels eux-mêmes écrivent pour le, pour, le, pour le journal. Donc c'est pour eux le peuple contre. Euh, le féodalisme, mais aussi très rapidement et en réalité tout de suite contre cette grande bourgeoisie, ces représentants de la grande bourgeoisie qui dominent euh, les deux dit. assemblées. Et le gouvernement qui est formé justement euh, à, à Berlin, le gouvernement Kamphausen, et puis après avec Hansenmann qui va, qui va, qui va surgir. C'est des grands industriels de la Rhénanie, justement. Hein. Et, et donc là, Marx comprenne que la configuration de classe est, est en train déjà de se reformer euh, et, et qu'il faut distinguer entre des couches de la bourgeoisie qui sont prêtes à faire partie de ce bloc démocratique populaire d'un côté et des couches de la grande bourgeoisie qui sont dans une attitude. De conciliation, de recherche de compromis en, en réalité Ententisme. avec l'ancien régime. L'ententisme. L'ententisme, c'est euh, le terme qui revient en permanence sous la plume d'Engels en particulier, parce que Engels est écrit bien davantage que Marx. Pendant tous les premiers mois de la nouvelle cassette Renan, hein, plus des deux tiers des articles euh, qui sont dans le premier des trois volumes euh, existants en français de ce, de, de, du recueil de leurs articles euh, sont de la plume d'Engels. Et Engels parle de l'Assemblée berlinoise en particulier, mais aussi euh, par ricochet de celle de Francfort, en tant qu'Assemblée ententiste, hein, c'est-à-dire qui cherche à tout prix le compromis qui ne s'affirme pas comme porteuse de la souveraineté populaire face justement à la couronne et, et, et à la monarchie. Euh, par ailleurs, euh, Marx et Engels euh, pensent au début qu'il euh, est possible de construire avec les cadres de la Ligue communiste qui rentrent un réseau d'organisations ouvrières. Et notamment, il y a un premier texte à Mayence euh, euh, où euh, ils essayent d'impulser ce réseau, mais euh, ça n'aura pas de suite en fait. Et, et, et ce n'est pas de leur fait. En réalité, ils remarquent que dans le tourbillon révolutionnaire réel, les structures de la ligue tombent d'elles-mêmes en inertie. et en réalité, ils ne sont pas tellement étonnés parce que dans la conception du parti telle tel qu qu'elle a été développée avant, il est clair que marx et engels ne conçoivent pas la ligue des communistes ou le parti communiste à l'époque comme le centre stratégique qui oriente l'initiative révolutionnaire concrète. Ce n'est pas le parti d'avant-garde tel qu'il va être théorisé bien plus tard dans l'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire. C'est plutôt un courant structuré qui fait de l'agitation et de la propagande en fonction des deux principes que nous que, que nous avons évoqués euh, auparavant. Donc euh, ils prennent acte d'une situation qui est que euh, voilà, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Les organisations ouvrières surgissent et ce qui complique davantage encore la question. C'est l'élément que vous avez mentionné. Ils sont à Cologne. Euh, c'est leur ville. Hein. Ils sont, c'est des Rénans, hein, tous les deux. Euh, Marx euh, a été déjà le directeur de la Gazette Rénane, qui a été fermée par le régime prussien en 1843. Là, il lance la nouvelle Gazette Rénane avec des fonds qui viennent en grande partie de la bourgeoisie, hein, Rénan. Hein, donc c'est en, en concordance avec, euh, disons, l'orientation politique qui est, celle du, qui est celle du journal. Et il y a à Cologne même une puissante organisation ouvrière, qui, association ouvrière qui se crée. Euh, 8 000 membres, selon les historiens, à peu près un tiers des adultes mâles de la ville. Euh, donc c'est une organisation importante, mais ce n'est pas du tout les conceptions de Marx et d'Engels qui dominent, à l'intérieur de cette association ouvrière, mais celle d'un autre militant de la Ligue communiste, Andreas Gottschalk, une personnalité charismatique, un médecin, euh, figure locale euh, extrêmement euh, importante, très populaire parmi les ouvriers, les artisans de, de Cologne. Et Andreas Gottschalk organise ces, orga ces associations euh, ouvrières euh, en, en délaissant et en opposition complète par rapport au terrain politique. Il n'accepte aucune alliance avec le Parti démocrate. Euh, il ne voit aucun intérêt à faire un front unique avec la bourgeoisie. Euh, pour lui, l'adversaire principal n'est pas tellement euh, l'absolutisme, mais la défense des intérêts ouvriers, la défense des intérêts économiques tout d'abord, avec un aspect corporatiste très, euh, très fort, et l'idée qu'en se développant, on pourra tout de suite passer à... Une république ouvrière, un régime social, socialiste ou communiste, qui sera géré par les ouvriers eux-mêmes, organisé en associations de type plus ou moins corporatif, de façon complètement disjointe par rapport au terrain politique. Et. C'est une attitude qui est très courante dans le mouvement socialiste de l'époque, hein, et, et, et pas seulement de l'époque. On retrouve ce type de tension en réalité dans la plupart des mouvements révolutionnaires entre des courants euh, qui s'orientent vers une intervention sur le terrain politique, qui sont ouverts aux questions stratégiques, aux questions d'alliance et à la question de la forme politique qui est en jeu à, à ce moment-là, c'est-à-dire abattre euh, l'absolutisme et instaurer un régime démocratique. Euh, en commun avec la bourgeoisie dans un, dans un premier temps et d'autres qui au contraire ont une conception que gramsci appellera corporatiste en fait de la lutte ouvrière selon laquelle il s'agit de défendre en quelque sorte les intérêts sectoriels de la classe et on pense que sur la base de la défense de ces intérêts sectoriels on pourra tout de suite euh, euh, en quelque sorte faire un bond vers une réorganisation d'ensemble de la société euh, en fonction de ces idéaux corporatistes généralisés à l'échelle de la société. C'est l'idéal d'une organisation du travail, de, 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 co de coopérative ou de corporation ouvrière qui deviendrait en quelque sorte les cellules organisatrices d'une société future basée sur le travail et la production associées et, et organisées. Euh, euh, en, en se tenant loin du terrain politique. Euh, ça rappelle je crois beaucoup de discussions euh, qu'on voit resurgir dans toute l'histoire en réalité euh, des mouvements sociaux, des mouvements populaires et des expériences révolutionnaires. donc, donc on voit bien que la convergence des deux n'a rien d'automatique et qu'il y a tout un champ de tension euh, euh, politique et stratégique qui s'ouvre euh, à ce moment-là. Très bien. Alors, je propose qu'on décentre un instant la focale et qu'on s'arrête sur les événements de juin 1848 en France. On a peu parlé de la France jusqu'à présent parce qu'en fait, même quand on lit la Nouvelle Gazette Rénane, Marx et Engels n'en parlent pas beaucoup. Mais par contre, ils vont parler beaucoup donc, de juin, des, des événements de juin 1848, hein, qui est en fait une insurrection ouvrière écrasée. Euh, donc, je voudrais qu'on revienne euh, là-dessus. Et avant, je, je propose qu'on écoute euh, un extrait d'un article publié en juillet 1848, donc dans la Nouvelle Gazette Rénane, interprété toujours par adèle Haenel, euh, et et qu'on pourra ensuite euh, revenir dessus le dernier vestige officiel de la révolution de février la commission exécutive s'est évanoui comme la brume devant la gravité des événements les feux d'artifice de lamartine se sont transformés en fusées incendiaires de cavaignac la fraternité cette fraternité des classes opposées dont l'une exploite l'autre cette fraternité proclamée en février écrite en majuscules sur le front de Paris, sur chaque prison, sur chaque caserne. Son expression véritable, authentique, prosaïque, c'est la guerre civile. La guerre civile sous sa forme la plus effroyable. La guerre du travail et du capital. Cette fraternité a flambé devant toutes les fenêtres de Paris le soir du 25 juin, alors que le Paris de la bourgeoisie s'illuminait, tandis que le Paris du prolétariat brûlait, saignait. J'émissais jusqu'à l'épuisement. La fraternité a duré juste le temps que l'intérêt de la bourgeoisie a été frère de l'intérêt du prolétariat. Alors, on vient d'entendre un extrait de Marx. Statis, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le regard assez pénétrant que, que porte Marx et Engels sur les événements de juin 1848, dont ils sont assez minoritaires, en fait, hein, dans la façon dont, dont ces événements sont, sont saisis au sein du Parti démocratique, par exemple, en Allemagne oui, euh, au sein du Parti démocratique en Allemagne et plus généralement au sein des mouvements révolutionnaires républicains et même républicains socialistes qui existent à l'époque. Alors, il faut signaler ici que si, du point de vue générationnel, Marx et Engels sont des 48 arts, hein, le terme était très courant à l'époque, hein, comme celui de 68 arts va être euh, pour, euh, pour nous, en tout cas là, vers la fin du XXe siècle et même, et même encore aujourd'hui. Donc, c'est des 48 arts, mais c'est des 48 arts très atypiques. En quel sens euh, Disons que. Euh, le, le, le schéma qui vraiment est prégnant dans la très grande majorité des révolutionnaires de 1848, euh, dans toutes les variétés du républicanisme français, sans doute à l'exception des blantistes, est que euh, la République est le cadre euh, qui permet soit la réconciliation des classes pour euh, les républicains euh, modérés, soit un cadre euh, communément accepté par tous dans lesquels euh, les conflits peuvent se résoudre dans le sens du progrès social. C'est une garantie. C'est évidemment l'émancipation politique réalisée, puisque la souveraineté populaire est réalisée à travers la suppression du suffrage censitaire et le suffrage les droits politiques accordés au corps électoral masculin, il faut préciser, hein, à la, même si les revendications féminines commencent à, sur, à poindre, en fait, pendant la, la révolution de 1848. Euh, mais c'est aussi le cadre qui rend possible et en réalité, quelque part, garantit le progrès vers l'émancipation sociale. Euh, donc c'est cet unanimisme républicain, plus, avec parfois quelques nuances, qui domine très largement et qui paraît au moment de février dans cette grande euphorie justement de la République enfin euh, gagnée euh, et euh, d'un gouvernement qui va euh, de La Martine jusqu'à l'ouvrier Albert, euh, en, en, en passant par Louis Blanc, qui paraît effectivement se concrétiser. Or, euh, Marx et Engels, avec... Euh, en France, Blanqui euh, et les Blanquistes, et la, la fraction la plus radicale, on va dire, du, du mouvement ouvrier, du mouvement communiste, en réalité, puisque Blanqui se réclame du, du communisme, mais aussi d'autres figures révolutionnaires, comme Barbès, par exemple, ou Raspail. Euh, donc, prédit que cette fraternité qui est... Euh, le mot d'ordre autour duquel cet unanimisme républicain se, se construit, euh, sera de très courte durée, et que les contradictions entre la bourgeoisie et le prolétariat vont éclater. Et c'est ce que dit précisément euh, l'extrait le, que nous venons d'entendre, dans des termes euh, au début qui, qui nous échappent, mais euh, la commission euh, exécutive euh, s'est évanouie comme la brume devant la gravité des événements, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui était euh, issu de la révolution euh, de 1848. La bourgeoisie lance l'offensive. Euh, contre euh, la concession qu'elle a dû faire au mouvement ouvrier euh, en autorisant euh, la Commission du Travail de Luxembourg d'élaborer des plans de réorganisation sociale, d'organisation euh, du travail, euh, et avec des ateliers nationaux euh, qui étaient une sorte de réalisation euh, tout à fait estropiée et caricaturale de cette idée d'organisation du travail qui servait simplement à employer les chômeurs, parce que la crise économique était terrible, énormément d'ouvriers euh, parisiens étaient au chômage, tout Simplement. Donc, on l'a rassuré du travail euh, avec un salaire euh, tout à fait euh, minimal. Et euh, c'était des travaux de terrassement, des travaux euh, symboliques. Mais même cette concession temporaire qui a été faite euh, au, au mouvement ouvrier parisien a été jugée comme intolérable par la bourgeoisie à partir d'un certain moment, surtout euh, quand, euh, à la mi-mai, euh, les ailes les plus radicales euh, du républicanisme révolutionnaire et du mouvement ouvrier font une tentative infructueuse d'occuper l'Assemblée nationale. Assemblée nationale issue des élections du 4 mai euh, 1848 et qui sont dominées pas du tout par des républicains radicaux, mais au contraire par une alliance entre un marais républicain très modéré et avec une aile en réalité de royalistes plus ou moins dissimulés, légitimistes et orléanistes qui va peser dans un sens de plus en plus conservateur. Donc, face à une assemblée euh, conservatrice en réalité, euh, qui euh, porte un démenti à l'idée que le suffrage universel porterait au pouvoir en quelque sorte naturellement et spontanément des éléments révolutionnaires. Euh, face à une bourgeoisie qui est de plus en plus impatiente de révoquer les concessions qu'elle a dû faire au mouvement ouvrier, eh bien éclate l'insurrection de juin 1848, quand euh, on essaye de mettre fin à l'expérience des ateliers nationaux. Alors euh, Marx Engels en Allemagne et euh, les Blanquistes, elle est la, la plus la plus radicale, mais qui est déjà la direction est déjà sous les verrous hein, à cause de, de la tentative infructueuse de mai, euh, sont les seuls qui comprennent ce qui est en train de se passer, aussi bien en Allemagne qu'en France. Euh, la plus grande partie du mouvement révolutionnaire républicain tout simplement ne comprend pas ce qui se passe à Paris. Pense que c'est un malentendu, euh, pense que c'est une sorte d'explosion, de, d'émeute incontrôlée euh, dont on ne saisit pas du tout l'enjeu. Et là, les articles d'Engels, en réalité, c'est Engels qui euh, couvre euh, les, les événements de juin 1948 euh, euh, quasiment en temps réel, hein, enfin avec très peu de temps, sur la base d'informations qu'il a à partir de, de lettres qu'il reçoit de Paris à travers leurs contacts. Euh, c'est très impressionnant de voir d'ailleurs comment il y a malgré tout une certaine vitesse de circulation de l'information okay. déjà euh, à l'époque. Et. Engels dit c'est un tournant décisif, non seulement de la situation française, mais de la situation européenne et mondiale en réalité, parce que c'est le premier affrontement de classe à classe. C'est le premier affrontement entre la bourgeoisie et le prolétariat. Il faut bien comprendre ici que quand Marx, et Engels parlait de l'affrontement de la bourgeoisie et du prolétariat en tant que classe. Euh, c'est des propos qui pouvaient paraître comme relativement détachés du contexte réel en réalité de, de l'époque hein. bien sûr le mouvement ouvrier existait mais il existait sous forme de grèves de mouvements sectoriels qui étaient immédiatement souvent réprimés noyés dans le sang par exemple la révolte des canuts à lyon par exemple les grèves et, et les mouvements qui existent le mouvement chartiste en angleterre qu'ils prennent un peu comme le prototype, en quelque sorte, d'un parti ouvrier de masse. Mais en réalité, le chartisme, comme le nom l'indique, euh, n'est pas un parti qui se bat pour des revendications sociales et, a fortiori, révolutionnaires. Il se bat pour la charte, c'est-à-dire pour le, le, le droit au suffrage universel masculin, en réalité. Donc là encore, ce n'est pas, en quelque sorte, un, un affrontement de classe à l'état pur. Juin 48 c'est le premier, à l'histoire mondiale, affrontement d'une classe ou en tout cas du détachement avancé euh, d'une classe qu'est euh, le prolétariat parisien en tout cas ces secteurs les plus radicaux qui se soulèvent en juin 48 et d'une bourgeoisie qui réprime cette insurrection ouvrière d'une manière jamais vue auparavant ça je crois qu'il faut mesurer le traumatisme que représente la répression de la révolte de juin 48 hein. et, euh, répression qui est totalement couverte et ordonnée par un régime républicain issu du suffrage universel. Donc ce régime-là se permet une répression de l'insurrection ouvrière Bien plus importante que la monarchie de, de juillet ou même les régimes monarchiques tout court ont pu faire à l'égard de révoltes populaires par le passé. Hein. Six ou sept mille prolétaires parisiens seront euh, massacrés dans les rues de Paris euh, sur les barricades à l'époque. Près de cinq mille seront euh, déportés, pour la plupart euh, en, en Algérie. On a un avant-goût de ce qui va se reproduire à une échelle encore plus large avec la semaine sanglante de la, de la Commune quelques décennies quelques décennies par la suite. Mais c'est un véritable tournant euh, de la situation que Marx et Engels comprennent tout de suite. À partir de ce moment-là, pour la bourgeoisie française et pour la bourgeoisie européenne qui regarde toute vers la France, parce que la France est l'épicentre hein, de l'évolution politique qui se passe euh, en Europe continentale, en tout cas, c'est vers là toute l'attention de tout le monde, hein, aussi bien des classes dominantes que des classes dominées, euh, se, se, se dirigent. Donc il voit bien que pour la bourgeoisie, désormais, L'adversaire, ce dont il faut se méfier le plus, c'est le prolétariat, c'est les classes populaires. Ce n'est pas l'ancien régime, ce n'est pas le régime absolutiste. Le potentiel révolutionnaire de la bourgeoisie a irrémédiablement atteint sa limite historique. C'est un, un véritable tournant dans l'histoire des luttes de classe et aussi dans l'histoire de la conscience européenne. Je, je crois que quelqu'un comme Sartre, par exemple, dans son analyse du 19e siècle français, a parfaitement compris l'importance du, du, du tournant euh, historico-mondial euh, qui s'opère euh, à ce moment-là et, et qui, pour la plupart des contemporains, n'est qu'une émeute locale. Hein. Il, faut, il, faut, il faut bien avoir ça euh, à l'esprit. Oui, alors c'est très intéressant ce que, ce que vous dites. Et effectivement, ça va avoir. Donc, juin 48 va avoir des conséquences pour la révolution ailleurs, mais donc y compris euh, en Allemagne, qui était la, la situation qui nous intéressait. Euh, parce que précisément, juin 48 va être, du point de vue des classes euh, dominantes et de la bourgeoisie euh, en l'occurrence, le signal que euh, la survivance même de la société bourgeoise est en quelque sorte questionnée, mise en danger, etc. Euh, et euh, Marx et Engels vont donc. Euh, euh, comment dire, analysé après juin 48, que en Allemagne, la bourgeoisie va jouer un rôle de plus en plus timoré euh, euh, vis-à-vis de, de, de la couronne, de, de, de la noblesse euh, allemande, etc. Euh, et en, dé en décembre pardon, 1848, Marx signe un article assez connu euh, et assez important, euh, qui va aussi marquer un espèce de tournant, puisque euh, donc cet article s'appelle euh, « La bourgeoisie et la contre-révolution », euh, dans lequel Marx radicalise les critiques qu'il porte à la bourgeoisie allemande. Euh, et donc je propose qu'on écoute un, un, un extrait, euh, là encore, donc, de cet article publié en décembre 1848, euh, pour qu'on revienne ensuite dessus et qu sont, euh, dans, en quel sens Marx radicalise euh, ses critiques. Les révolutions de 1648 et de 1789 n'étaient pas des révolutions anglaises et françaises, c'était des révolutions de style européen. Elles n'étaient pas la victoire d'une classe déterminée de la société sur l'ancien système politique mais la proclamation d'un système politique pour la nouvelle société européenne. Elles étaient le triomphe de la bourgeoisie, mais le triomphe de la bourgeoisie était alors le triomphe d'un nouveau système social. Rien de tout cela dans la Révolution de Mars en Prusse. La bourgeoisie allemande avait évolué avec tant d'indolence, de lâcheté, de lenteur, qu'au moment où elle se dressa menaçante en face du féodalisme et de l'absolutisme, elle aperçut en face d'elle le prolétariat menaçant ainsi que toutes les fractions de la bourgeoisie dont les idées et les intérêts sont apparentés à ceux du prolétariat. Elle avait non seulement derrière elle l'hostilité d'une classe, mais devant elle celle de toute l'Europe. La bourgeoisie prussienne n'était pas la bourgeoisie française de 1789, la classe qui, face aux représentants de l'ancienne société, de la royauté et de la noblesse, incarnait à elle seule toute la société moderne. Elle était déchue au rang d'une sorte de caste, aussi hostile à la couronne qu'au peuple, cherchant querelle aux deux réunis, mais indécise face à chacun de ses adversaires pris séparément, parce qu'elle les voyait toujours tous les deux devant ou derrière elle. Encline dès l'abord à trahir le peuple et à tenter des compromis avec les représentants couronnés de l'ancienne société, parce qu'elle appartenait elle-même à l'ancienne société. Représentant non pas les intérêts d'une société nouvelle contre une société ancienne, mais des intérêts renouvelés. À l'intérieur d'une société. Statis, on vient d'entendre un extrait particulièrement dense et on voit que, cette, enfin que le thème de 1789 revient et que Marx le travaille et le compare en fait à la révolution de 1848. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur, sur cet extrait qui est, qui est très dense encore une fois Et qu que, enfin sur quoi est en train de mettre le doigt Marx à ce moment-là bon, Je crois que la première des, des choses qu'il faut dire, c'est qu'il est en train de se rendre compte que le scénario qu'il avait euh, élaboré avec Engels euh, dans le manifeste euh, et, et dans les premiers écrits de la nouvelle Gazette Rénan, ne se réalise pas. Parce que pour avoir une sorte de, de répétition, radicalisation du schéma de 1789-1793, euh, il faut partir euh, du de l'hypothèse selon laquelle la bourgeoisie va jouer un rôle révolutionnaire. Donc, dans le cas de l'Allemagne, ça signifie que euh, la bourgeoisie va renverser la couronne, va renverser l'ancien régime, euh, instaurer une république euh, bourgeoise, la revendication d'ailleurs euh, du Parti communiste d'Allemagne, juste avant quand, quand la révolution éclate. Marx Engels élaborent un, un programme en 17 points, un agenda en, en 17 points. Le premier, c'est la république allemande, une et indivisible. Mais pour que que cette République allemande une et indivisible se réalise, il faut bien sûr ce front, que ce front unique se, se réalise. Bon, là, le front unique ne peut pas se réaliser car euh, la... Euh, Classe euh, bourgeoise allemande euh, n'est ni la classe euh, bourgeoise française ni la classe bourgeoise anglaise. Alors il faut faire, euh, je crois, il faut lire attentivement ici, c'est ces, ou réécouter attentivement ces formulations qui sont eff effectivement très denses. Et je retiens ici l'idée que la bourgeoisie n'agit pas comme une classe qui représente l'ensemble d'une société, c'est-à-dire comme une force en quelque sorte d'universalisation des intérêts. Hein. Euh, la, la, la bourgeoisie française a représenté en jouant un rôle révolutionnaire a été ce que Gramsci a appelé après et là on voit cette problématique poindre ici une classe hégémonique, c'est-à-dire une classe qui ne se bat pas simplement pour un intérêt particulier sectoriel, qui défend bien sûr son intérêt sectoriel, mais en même temps celui d'un bloc social beaucoup plus large et un bloc social beaucoup plus large avec une idée nouvelle d'organisation de la société. C'est ça que Marx nous dit à l'heure actuelle et c'est ça en réalité le concept d'hégémonie. Le concept d'hégémonie, ce n'est pas simplement comme pensent les gens de façon instrumentale. Ah oui, c'est en quelque sorte une alliance de classes qui réussit. Oui, c'est une alliance de classes qui réussit mais qui représente un bloc avec une fonction historique nouvelle, c'est-à-dire qui permet le passage d'un type de société à un autre type de société radicalement différent. Ce que donc la bourgeoisie anglaise et française ont pu faire lors des moments révolutionnaires de ces deux pays, eh bien, la bourgeoisie allemande refuse justement catégoriquement de le faire. Elle n'est pas une classe hégémonique capable de représenter un intérêt large, universalisant, elle est une caste. Hein. Une caste, c'est un mot très fort, hein. ça veut dire vraiment un groupe refermé sur lui-même qui ne, ne se bat que pour ses intérêts particuliers et qui comprend que... Ces intérêts particuliers dans le contexte seront peut-être mieux servis par un compromis, par l'ententisme justement avec la couronne et avec l'ancien régime, plutôt que par un processus de radicalisation et d'alliance avec les autres classes sociales, car c'est trop risqué tout simplement. Et dans les articles de la Nouvelle Gazette rénale, Marx et Engels en fait critique très concrètement les mesures sociales en réalité que prennent ces gouvernements dirigés par ces politiciens représentants de la grande bourgeoisie. Il refuse, par exemple, euh, d'abolir les charges féodales. Euh, là, là aussi, c'est des sortes de mesures de compromis qui ne changent rien d'essentiel. Euh, il, il refuse euh, de, de changer la fiscalité qui pèse très lourdement euh, sur les couches inférieures de la bourgeoisie et sur les classes populaires. Donc il y a une orientation antipopulaire, la même d'ailleurs que celle que les gouvernements républicains français euh, euh, ont mis et vont mettre en œuvre plus ou moins à ce moment-là, qui retourne contre... Euh, ces gouvernements provisoires, ententistes, les classes populaires qui auraient pu pousser, justement, à une radicalisation révolutionnaire. Alors que la bourgeoisie française, dans la nuit du 4 août, abolit d'un coup les privilèges de la noblesse, distribue en réalité, prend acte de la révolution paysanne qui est en train de se passer parce que la révolution française, c'est ça en réalité. C'est la première dans l'histoire mondiale révolution paysanne réussie, en réalité. Bon. Donc, euh, et, et, et le, le bloc historique qui se construit au, à ce moment-là, c'est un bloc entre la bourgeoisie et la Paysannerie. Hein. Bon, on reviendra certainement sur ce point parce qu'il est, il est tout à fait capital. Rien de tel en Allemagne. La bourgeoisie préfère justement suivre en réalité le compromis de l'Ancien Régime, euh, euh, s'opposer aux intérêts euh, des autres euh, couches populaires, y compris des couches bourgeoises inférieures, euh, et de ce fait euh, est incapable de jouer le rôle révolutionnaire que Marx et Engels lui attribuaient dans le cadre du scénario. 89-93 radicalisés, front unique, que nous avons euh, évoqué auparavant. Donc là, l'expérience réelle montre que euh, cette hypothèse, en tant que telle, en tout cas, n'est pas, pas tenable. Oui, tout à fait. d'ailleurs, la suite des événements en Allemagne va aussi confirmer cette, cette intuition de, de Marx et d'Engels, euh, puisque, donc, on n'a pas, pas le temps de revenir sur l'ensemble des, des péripéties. Hein. C'est un, un, un processus qui est très long et tortueux, la, la révolution allemande. Mais euh, la couronne, euh, et notamment le roi Frédéric Guillaume IV de Prusse, euh, tente euh, comment, de gagner du terrain la réaction tente de gagner du terrain. La bourgeoisie et les, les assemblées de Francfort et de Berlin sont trop timorées et donc euh, finalement il y a des soulèvements populaires qui ont lieu qui vont être euh, qui vont être très très durement euh, réprimés et marx et engels je la fais vraiment euh, courte sont contraints de euh, quitter l'allemagne euh, sinon enfin sous la menace d'être arrêté la nouvelle gazette rénanée est, est aussi fermée euh, et donc euh, marx et engels sont contraints de s'exiler à nouveau euh, alors on va voir que l'expérience de la défaite va être très dure hein, pour marx et engels mais aussi très féconde puisqu'elle va donner lieu toute à, une, à une, toute une série de ré ajustement théorique et, et politique. Euh, donc après avoir été chassé d'Allemagne, il se retrouve à Londres. Euh, Marx fait en fait un bref passage par Paris euh, à l'été 1849, mais pareil, on n'a pas le temps malheureusement de, de revenir là-dessus. Euh, une fois arrivé à Londres, Marx et Engels reprennent pour un temps leur activisme politique. Hein. Euh, ils font aussi face à une situation très dure d'un point de vue personnel. Hein. Marx est, est face à des, des difficultés financières absolument énormes. Il va perdre deux de ses enfants euh, euh, à ce moment-là. Euh, mais des difficultés aussi politiques, hein, puisque leur isolement euh, va être croissant en fait euh, au sein euh, du de, du mouvement communiste dans ces années-là. Euh, donc, je voudrais qu'on s'arrête sur un texte très important. Donc, euh, jusqu'en 1850, même si donc la réaction a gagné l'ensemble du continent européen, Marx et Engels sont persuadés qu'une reprise de la révolution est imminente, qu'un deuxième acte, en quelque sorte, euh, va se poursuivre, dans lequel second euh, acte, dans lequel le prolétariat sera amené à jouer un rôle de premier plan. C'est la vision avec laquelle euh, ils s'orientent à ce moment-là. Et je voudrais qu'on s'arrête en particulier sur un texte qui a un statut un peu particulier, qui n'est pas extrêmement connu. Euh, qui est donc une adresse, l'adresse de mars 1850 que Marx rédige pour la Ligue des communistes qui s'est refondée donc euh, à Londres euh, et qui s'adresse aux militants communistes qui sont restés euh, en Allemagne. Pendant et après la lutte, les travailleurs doivent en toute occasion formuler leurs propres revendications à côté de celles des démocrates bourgeois. Ils doivent exiger des garanties pour les travailleurs dès que les bourgeois démocrates se disposent à prendre le gouvernement en main. Il faut au besoin qu'ils obtiennent ces garanties de haute lutte et s'arrange en somme pour obliger les nouveaux gouvernants à toutes les concessions et promesses possibles. C'est le plus sûr moyen de les compromettre. Il faut qu'à côté des nouveaux gouvernements officiels, ils établissent aussitôt leur propre gouvernement ouvrier-révolutionnaire, soit sous forme d'autonomie administrative locale ou de conseils municipaux, soit sous forme de clubs ou de comités de travailleurs, de façon que les gouvernements démocratiques bourgeois non seulement s'aliènent aussitôt l'appui des travailleurs, mais se voient dès le début. Surveillée et menacée par des autorités qui ont derrière elles toute la masse des travailleurs. En un mot, sitôt la victoire acquise, la méfiance du prolétariat ne doit plus se tourner contre le parti réactionnaire vaincu, mais contre ses anciens alliés, contre le parti qui veut seul exploiter la victoire commune. Si les ouvriers allemands ne peuvent s'emparer du pouvoir et faire triompher leurs intérêts de classe sans accomplir en entier une évolution révolutionnaire assez longue, ils ont cette fois du moins la certitude que le premier acte de ce drame révolutionnaire imminent coïncide avec la victoire directe de leur propre classe en France et s'en trouve accélérée. Donc on vient d'entendre euh, un extrait euh, de l'adresse de la Ligue des Communistes. Euh, dans, dans, alors, pas dans cet extrait, mais dans ce texte, il y a aussi une formule donc très célèbre que je rappelais en toute introduction de, de l'émission sur le fait qu'une prochaine révolution est non seulement imminente, mais qu'elle devra être permanente jusqu'à la victoire des ouvriers. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les enjeux de ce texte oui, alors il y, y a deux choses qu'il faut, qu faut souligner. La première, c'est que c'est une adresse de la Ligue des Communistes et comme vous l'avez mentionné, euh, Marx Engels reconstitue en fait, mais en exil, la Ligue des Communistes. Alors, donc, dans le balancement... Euh, que nous avons vu avant entre d'un côté les nécessités du front unique et de l'autre côté la nécessité de l'action indépendante de classe euh, du prolétariat, euh, balancement qui était en faveur du front unique dans la première séquence, on va dire, de la révolution. Là, euh, le, le balancier va dans l'autre sens hein, et l'accent maintenant est mis de façon extrêmement déterminée et c'est je crois la ligne directrice de ce texte sur la nécessité de l'organisation indépendante de classe du prolétariat et le fait qu'il ne s'agisse surtout pas qu'elle ait à engager tout de suite et qu'elle doit se poursuivre et même s'intensifier tout au long d'un processus, euh, processus révolutionnaire. Ça, donc ça, c'est la première chose. On reconstitue donc à cette fin la Ligue des communistes dans des conditions, il faut bien le dire, qui sont très difficiles. Hein. Deuxième point, euh, même si euh, Marx et Engels prennent acte du fait que la bourgeoisie ne remplit pas le rôle révolutionnaire qu'ils avaient supposé euh, auparavant, Néanmoins, il reste fidèle à l'idée d'un schéma ascendant possible de la révolution. Donc, répétition de 1789-93, je rappelle euh, que c'est le, le schéma un schéma ascendant dans lequel même les échecs et les défaites euh, finalement sont des occasions de rebondir et de relancer sur des bases encore plus radicales le processus révolutionnaire c'est exactement ce qu'ils essayent de faire dans ce texte hein. ils disent oui il y a eu bien sûr des défaites des revers etc mais ce n'est pas fini et non seulement ce n'est pas fini mais ça peut rebondir sur des bases plus avancées pourquoi parce que une clarification justement de la situation a été faite maintenant l'opposition de la bourgeoisie et du prolétariat se manifeste il n'y a rien à attendre de la bourgeoisie donc le bloc populaire plus large, il reste aussi fidèle à cette idée, ce n'est pas, bourg... pas le front unique avec la bourgeoisie, Ça, cette hypothèse est grillée définitivement, c'est le front commun avec la petite bourgeoisie radicalisée républicaine. Donc il voit euh, pour une relance du mouvement révolutionnaire en Allemagne un bloc plus large autour du prolétariat, mais cette fois en mettant l'accent sur la nécessité de son organisation autonome et une petite bourgeoisie républicaine radicalisée qui sera au premier plan et qui pendant un premier moment va l'emporter. Donc c'est l'hypothèse qu'explore ce texte justement. Que se passe-t-il si euh, ce bloc populaire reconfiguré autour de la petite bourgeoisie et du prolétariat, classe populaire et paysannerie, en réalité l'emporte. Et donc là, ils nous disent voilà, euh, il faut, euh, euh, il ne faut surtout pas euh, euh, en quelque sorte euh, verser dans la modération. Il faut cultiver euh, la méfiance vis-à-vis d'un gouvernement euh, qui va et, et d'un pouvoir qui euh, va surgir de cette euh, de cette évolution. Il faut que les ouvriers construisent leur propre euh, formes d'institutions et d'organisations. Euh, il, il mentionne des formes d'autonomie administrative locale, des conseils municipaux, des clubs, des comités de travailleurs, ils insistent sur la nécessité de présenter des candidats ouvriers aux élections qui auront lieu alors que dans la séquence précédente, euh, ils pensaient que justement euh, les organisations ouvrières devaient euh, soutenir des candidats démocrates euh, bourgeois ou républicains plus larges. Donc là, ils insistent véritablement beaucoup sur l'autonomie de classe et moi ce qui me semble caractéristique de ce texte, c'est que euh, il y a deux lectures qui sont possibles et ça exprime un flottement qui est le flottement objectif de la situation d'une part l'hypothèse d'une relance euh, immédiate d'un processus révolutionnaire, appelé à se radicaliser, comme vous venez de le dire, et continuer en permanence jusqu'à euh, euh, effectivement un moment d'une offensive ouvrière, socialiste, communiste, victorieuse, révolution en permanence qui va cette fois jusqu'au bout, mais c'est aussi, on voit aussi se dessiner des éléments de ce qu'on peut appeler, euh, par anticipation un peu, une guerre de position, avec euh, la conquête euh, de positions, y compris de positions locales, de positions de formes d'organisation, de contre-institutions, de contre-pouvoirs dans la société, et euh, ce, qui, ce qui est dit euh, vers la fin du texte, une évolution révolutionnaire assez longue, euh, avec du moins la certitude que le premier acte de ce drame révolutionnaire imminent coïncident avec la victoire directe de leur propre classe. On voit dans la même phrase à la fois une mention d'une évolution révolutionnaire assez longue et d'une relance révolutionnaire imminente qui sera accélérée par la reprise d'un processus révolutionnaire en France ou alors, ça c'est le Joker qu'ils vont sortir à chaque fois pendant cette période, une guerre européenne contre la Russie qui va permettre à nouveau une radicalisation. Donc là, on est en quelque sorte à un moment de flottement stratégique. Mais qui anticipe sur un problème stratégique, et Michael Levy le rappelait à fort juste titre lors d'une émission précédente, qui va se reposer dans euh, toutes les révolutions qui auront lieu dans les pays capitalistes euh, moins développés. Vous avez mentionné la Russie, par exemple, euh, au, au XXe siècle, et d'autres. Hein, on, on peut dire que c'est des problèmes qui, à leur façon, se sont posés lors des révolutions anticoloniales ou dans des révolutions euh, en, en Amérique latine, sur euh, un processus qui ne reste pas figé en quelque sorte à une étape, euh, mais qui s'alimente d'une dynamique de, de radicalisation. Reste à voir, effectivement, si euh, ce type d'hypothèse était, effectivement, adéquate à l'état du rapport de force réel de l'Allemagne de, et de l'Europe, d'ailleurs, euh, du, du début de 1850 et la, la, la suite prouvera que ce n'était pas le cas. Tout à fait. Alors malheureusement on passe vite hein, mais je, je conseille la lecture de ce texte qui est effectivement euh, très dense et à la fois euh, contradictoire comme vous l'avez euh, souligné. Alors je voudrais qu'on s'intéresse maintenant aux élaborations de Marx euh, sur la situation française puisque de 1850 à 1852, euh, Marx va s'intéresser euh, de beaucoup plus près à ce qui se passe en France, donc à la fois euh, l'échec de la révolution euh, mais aussi au phénomène de, de réaction mais, et, et de contre-révolution ou d'involution de la révolution enfin vous allez vous allez préciser mais qui, qui ont lieu dans ces années euh, ça va être l'occasion de textes importants je les, les mentionne juste en passant donc des articles qu'il écrit et qui vont être publiés plus tard par Engels sous le titre les luttes de classe en France mais également le 18 brumaire qui s'intéresse au coup d'état bonapartiste de décembre 1851. Alors une première question statis sur euh, les raisons de l'échec et sur euh, les leçons qu'en tire Marx, on retrouve l'idée euh, dans ces textes sur la France que la défaite subie par le prolétariat en juin 1848 est précisément ce qui ouvre la voie à des euh, conquêtes euh, ou à des victoires futures. Marx écrit par exemple, je le cite, Une fois le prolétariat momentanément écarté de la scène et la dictature de la bourgeoisie officiellement reconnue, force était aux couches à la aux couches de la classe paysanne, à mesure que la, leur situation devenait plus insupportable et leur opposition à la bourgeoisie plus rude, de se rallier de plus en plus au prolétariat. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que la grande conclusion à laquelle arrive Marx dans ces années, c'est la nécessité, si le prolétariat veut lutter jusqu'à la victoire, de construire un bloc social large dans lequel il doit jouer un rôle dirigeant, c'est-à-dire un rôle d'hégémonie, comme vous l'avez euh, un peu dit euh, plus tôt. Est-ce que c'est une idée qui est nouvelle est Est-ce que déjà je, je lis correctement Marx Et est-ce que c'est une idée nouvelle Enfin, est-ce que vous voulez revenir un peu sur cette, euh, sur cette question Oui, euh, je crois que la situation euh, française montre euh, en effet que euh, Marx, c'est une formule du, du 18 Brumaire, mais qui apparaît déjà dans les textes euh, légèrement antérieurs de la. Des, des luttes de classe en France, que euh, dans une euh, nation paysanne comme la France, où la majorité de la population est, est paysanne, euh, si la paysannerie n'est pas du côté révolutionnaire, euh, alors la révolution, euh, une révolution où la classe ouvrière occuperait un rôle dirigeant, une révolution sociale, socialiste, euh, ouvrant la voie au communisme, euh, ne peut pas l'emporter. Et ce que lui montre justement la France, c'est que euh, la paysannerie... Du fait de, du tournant de plus en plus réactionnaire des gouvernements bourgeois qui succèdent, justement, que ce soit la Constituante puis après de l'Assemblée législative de la Deuxième République, cette paysannerie va se détourner de la République. Et le coup de grâce sera porté quand ces gouvernements vont supprimer même le suffrage universel après avoir imposé des impôts extrêmement antipopulaires par la paysannerie. C'est euh, la victoire d'abord aux élections de Bonaparte, et donc l'émergence de Bonaparte dans ce contexte de crise en quelque sorte aiguë et de désintégration du bloc euh, bourgeois, de plus en plus réactionnaire, survient parce que Bonaparte, à cause notamment du, du nom hein, et du, de ce qu'il représente euh, dans, dans la, la conscience collective, en particulier de la France rurale et de la France paysanne, euh, s'appuie massivement sur le vote paysan et sur, et sur la base paysanne. Donc, euh, si on n'a pas la paysannerie de son côté, c'est le solo funèbre. Il en est de même pour euh, les couches petites bourgeoises des villes qui euh, s'expriment à l'époque par euh, les courants démocratiques socialistes, hein, le Dru Rollin, opposés aux prolétariat en juin 1948, mais qui vont se radicaliser après, face au tournant de plus en plus réactionnaire des gouvernements de la Deuxième République. Mais eux aussi seront en réalité éliminés à leur tour. Hein, mais, mais ils seront obligés de s'appuyer aussi sur le prolétariat, car la petite bourgeoisie, toute seule, aussi s'avère incapable de s'affronter à des gouvernements de plus en plus conservateurs et de plus en plus et de plus en plus réactionnaires. Donc la question effectivement des, des alliances de classe est tout à fait est tout à fait centrale et les textes de Marx sur la France ont ceci de particulier et ça a été il y a unanimité des historiens même des historiens qui ne sont pas particulièrement sympathiques à Marx et au marxisme c'est que contrairement au, au schéma auquel on veut souvent réduire justement Marx et Engels d'un affrontement entre la bourgeoisie et et le, yeah. et, le, et, le, et, le, et le prolétariat là on voit bien que Concrètement, dans une conjoncture concrète, cet antagonisme met en, en, en jeu, met en mouvement une complexité de blocs sociaux et de forces sociales, et que Marx et Engels analysent de façon extrêmement précise et minutieuse les fractions de classe, les fractions de la classe bourgeoise, euh, les, les, les fractions des, des couches intermédiaires, le rôle de la paysannerie, la classe ouvrière, les divisions même à l'intérieur du, du mouvement ouvrier. Ils sont donc extrêmement sensibles justement euh, à tous ces mouvements qui font la singularité des conjonctures, et c'est en cela que réside précisément leur force en tant que penseur et en tant qu'acteur politique. Très bien, merci. Euh, alors vous avez euh, mentionné euh, le coup d'État bonapartiste, euh, donc effectivement le, le bonapartisme, donc coup d'État de, de Louis euh, Bonaparte en décembre 1851. Euh, C'est quelque chose qui a inattendu qui est, qui est enfin c'est une forme politique singulière même monstrueuse comment marx et engels vont et notamment marx dans ses textes sur la france donc vont réussir à saisir et à penser le phénomène bonapartiste et en quoi est-ce que paradoxalement ça va stimuler des réflexions chez marx sur la dimension proprement politique des luttes de classe mmh. bien alors nous avons vu jusqu'à présent que dans le cas allemand euh, le scénario initial est infirmé euh, mais ce qui, le résultat final, c'est-à-dire un compromis entre la grande bourgeoisie libérale et la couronne, euh, finalement n'est pas en soi une nouveauté radicale. Hein. C'est simplement qu'au lieu d'avoir un scénario euh, révolutionnaire qui passe par une étape démocratique euh, républicaine, on a une forme d'accommodement avec, avec l'ancien régime. Bon, ce n'est pas ce qui était attendu, mais ce n'est pas non plus une nouveauté radicale. Par contre, euh, voir dans, dans la, le pays des révolutions, dans la capitale des révolutions qui est Paris, euh, dans le pays euh, où euh, s'annonçait un triomphe républicain avec le mouvement ouvrier le plus politisé, le plus radical et le plus expérimenté euh, d'Europe, euh, et certainement d'Europe continentale, euh, voir surgir euh, un, un Louis Bonaparte, ça c'est quelque chose de totalement nouveau et d'assez énigmatique. Et, et, dans, dans un, et il faudra toute une réflexion en réalité, je pense. À, à Marx pour comprendre euh, la nouveauté de cette situation et, et son caractère énigmatique. Dans, dans les euh, euh, textes des luttes de classe en France, Marx utilise le terme d'hiéroglyphe pour parler de, de Bonaparte. Il dit que c'est un nom euh, sur lequel chacun projette en quelque sorte ses, ses désirs. Euh, on, on a presque là une anticipation de la théorie d'Ernesto Laclos oui. du signifiant vide dans laquelle chacun met ce qu'il veut oui. d'une certaine façon. Hein. Donc euh, Louis Bonaparte est effectivement un signifiant vide. Euh, il émerge. Euh, comme un, un tiers parti euh, dans une situation où euh, euh, les classes révolutionnaires sont écrasées et vaincues successivement d'abord le prolétariat, puis la petite bourgeoisie radicalisée des, des, des républicains euh, démocrates socialistes euh, de, de l'étru Rollin, euh, puis <laughs> le bloc bourgeois lui-même se désintègre, hein, car il devient de plus en plus conservateur et il perd justement la, la, la base euh, sociale. L'absolutisme en France n'est plus qu'un lointain souvenir, enfin, ou en tout cas les conditions d'une restauration monarchique à l'évidence n'existent plus. Donc, surgit quelque chose que littéralement personne n'avait prévu et ne pouvait prévoir, qui est euh, un aventurier, Louis Bonaparte, euh, un personnage en tant que tel insignifiant, euh, dépourvu évidemment de, de l'ampleur de son grand-oncle euh, mythique, mais jouant à fond sur la symbolique du seul nom. Et ça, c'est très important. La Symbolique. Hein. Marx comprend l'importance que les symboles, les idéologies et tout ce qu'il charrie justement de représentation euh, peuvent euh, jouer dans les conjonctures politiques qui ne se laissent pas réduire à un, une, un simple antagonisme d'intérêt matériel pour, 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 pour aller vite. Hein. Bon, donc un, ap, un, un bonaparte émerge euh, en contrôlant le pouvoir euh, exécutif, hein, en obtenant l'appui massif d'une paysannerie aliénée par le régime républicain, d'une partie même du prolétariat et des couches moyennes des villes, écrasées précisément par un régime républicain, formellement républicain, mais en réalité de plus en plus réactionnaire, et qui les a écrasés hein, en juin 1948, puis en juin 1949 euh, successivement. Donc il émerge comme une force qui euh, euh, est capable de canaliser le mécontentement. Euh, euh, et les ressentiments que euh, cette république qui ne tient aucune de ses promesses initiales, qui devient de plus en plus conservatrice et, et réactionnaire engendre, et en même temps comme un parti, euh, une force capable de rétablir l'ordre, parce que c'est évidemment le grand euh, mot d'ordre de Napoléon Bonaparte, c'est que lui, il va rétablir l'ordre face à une situation politique qui ne cesse de se dégrader, d'instabilité de plus en plus grande et de, et de désintégration des sommets bourgeois en quelque sorte. Hein. Donc, donc Marx comprend que les situations révolutionnaires peuvent donner lieu à des crises politiques imprévues, euh, dans lesquelles aucune des deux classes principales n'arrive véritablement à s'imposer sur le plan politique et dans lequel une tierce force émerge. Euh, qui réussit à avoir une base populaire. Et c'est en ce sens que le 18 brumaire dit que Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte représente la, pa la paysannerie, dans le sens où il réussit à avoir son soutien et il joue sur le fait que lui, il va garantir en tout cas certains intérêts matériels de la paysannerie, car la Révolution française a donné la terre aux paysans et Bonaparte est un peu le nom qui sert en quelque sorte à... Justement, euh, symboliser tout ça. Hein. Bon. Donc, euh, euh, il, il, il émerge et en même temps, il réussira, euh, bon, mais ça, il ne peut pas le savoir au moment du, du 18 Brumaire, à assurer un développement économique euh, de la bourgeoisie, mais euh, coupé, en quelque sorte, du contrôle du pouvoir politique à proprement parler. Mais ça, c'est extrêmement important parce que ça met doublement en question le scénario initial. Euh, le coup d'État de Bonaparte mais en fait le point final à l'hypothèse d'un mouvement révolutionnaire ascendant. Il est clair que les révolutions de 1848, au contraire, sont caractérisées par un mouvement constamment descendant. Hein. Et c'est ce qui les différencie de la vague révolutionnaire précédente. La deuxième chose, c'est que non seulement euh, la bourgeoisie euh, ne joue pas euh, un rôle euh, révolutionnaire, mais euh, des régimes autoritaires de type nouveau qui ne sont pas des restaurations monarchiques, qui sont issues du suffrage universel, qui possèdent une véritable base, et même une base, même une base populaire peuvent surgir, mais qui sont au service d'un projet qui n'a absolument rien à voir, évidemment, avec un projet d'émancipation populaire, avec un projet de défense des intérêts populaires, en tout cas tels que Marx et Engels les comprennent et les défendent. Très bien, alors on arrive presque au terme de notre voyage. Je voudrais quand même qu'on s'arrête sur la question de l'État puisque euh, l'analyse du phénomène bonapartiste va donner lieu chez Marx à une reprise et un approfondissement de euh, son analyse et de sa caractérisation de l'État bourgeois moderne. Euh, je propose qu'on écoute un dernier extrait euh, sur cette question donc euh, interprété encore une fois par Adèle enel Ce pouvoir exécutif avec son immense organisation bureaucratique et militaire avec son mécanisme étatique complexe et artificiel, son armée de fonctionnaires d'un demi-million d'hommes et son autre armée d'un demi-million de soldats, cet effroyable corps parasite qui recouvre comme d'une membrane le corps de la société française et embouche tous les ports, se constitua à l'époque de la monarchie absolue, au déclin de la féodalité qui l'aida à renverser. La première révolution française, qui se donna pour tâche de briser tous les pouvoirs indépendants, locaux, territoriaux, municipaux et provinciaux, pour créer l'unité civique de la nation, devaient nécessairement développer l'œuvre commencée par la monarchie absolue, à savoir la centralisation, mais en même temps aussi l'étendue, les attributs et l'appareil du pouvoir gouvernemental. Napoléon acheva de perfectionner ce mécanisme d'État. Chaque intérêt commun fut immédiatement détaché de la société. Opposée à elle à titre d'intérêt supérieur général, et enlevée à l'initiative des membres de la société, transformée en objet de l'activité gouvernementale. Depuis le pont, la maison d'école, la propriété communale du plus petit hameau, jusqu'au chemin de fer, aux biens nationaux et aux universités. La République parlementaire, enfin, se vit contrainte, dans sa lutte contre la Révolution, de renforcer par ses mesures de répression, les moyens d'action et la centralisation du pouvoir gouvernemental. Toutes les révolutions politiques n'ont fait que perfectionner cette machine au lieu de la briser. Les partis qui luttèrent à tour de rôle pour le pouvoir considérèrent la conquête de cet immense édifice d'État comme la principale proie du vainqueur. Euh, Statis Donc, on vient d'entendre un, un extrait. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur les enjeux euh, Moi, je, je vois au moins deux enjeux dans, dans cet extrait. La première, c'est la, la mise en lumière de la genèse et du renforcement de euh, l'État bourgeois moderne. Et la, le second enjeu, euh, c'est cette phrase de Marx euh, qui sonne presque comme un mot d'ordre. Hein. Toutes les révolutions politiques n'ont fait que perfectionner cette machine au lieu de la briser. Oui, alors euh, effectivement... Euh... Le, le 18 brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte est un texte de Marx qui présente des innovations extrêmement importantes. J'en ai mentionné quelques-unes. La compréhension de l'autonomie des phénomènes politiques, notamment le fait que des choses complètement imprévues peuvent surgir qui bouleversent les, les, les schémas préexistants. Le rôle du symbolique et de l'idéologie, sans lequel un personnage comme la montée d'un personnage comme Bonaparte resterait complètement inexpliquée et, et, et mystérieuse. Et, et là, on a un, un troisième élément qui, qui est, disons, plus dans les tendances lourdes de l'évolution historique, mais qui pose néanmoins une question stratégique fondamentale pour le mouvement révolutionnaire, pour le mouvement ouvrier et communiste. Et euh, cet extrait de, de Marx, euh, en effet, euh, veut montrer ceci. L'histoire française, puisque c'est de ça qu'il s'agit, entre 1789 et 1848, est caractérisée, ou 1851 pour être plus précis, est caractérisée par une alternance assez rapide de régimes politiques extrêmement différents. La séquence révolutionnaire elle-même passe par divers moments, puis on a la séquence bonapartiste, la restauration monarchique, la monarchie de juillet, euh, la seconde république et le coup d'état bonapartiste pour couronner le tout. Donc, une, une variété bariolée, comme dira Marx, de, des régimes politiques les plus divers en quelque sorte, hein, depuis une restauration monarchique jusqu'à une république jacobine radicale, bon, en passant par des choses complètement imprévues comme le bonapartisme. Bon. Et. Euh, Pourtant, il y a une continuité sous-jacente derrière cette euh, succession rapide de, de régimes euh, ininterrompus. Et ça, c'est le fait qu'il y a un appareil d'État moderne qui se construit. Et ça veut dire que le véritable pouvoir de la nouvelle classe montante, la bourgeoisie, parce que toute cette séquence euh, illustre diverses étapes, en quelque sorte, de la montée politique euh, de la bourgeoisie, Montée politique que la littérature française de l'époque et notamment les, les chefs-d'œuvre de Balzac illustre aussi de façon tout à fait, euh, tout à fait frappante. Euh, euh, cette montée de la bourgeoisie signifie que le véritable centre du pouvoir politique n'est pas tant dans la forme de régime qui pourtant a une énorme importance. Alors euh, ça, c'est l'accent mis sur ce qui se passe au niveau de l'appareil d'État et de la continuité. Qui se manifeste à ce niveau-là ne signifie pas du tout pour Marx et Engels qu'ils se désintéressent de la question de la forme du régime politique. Au contraire, c'est un objectif central et pour eux, la conquête de la démocratie, d'un régime démocratique, demeure un objectif euh, stratégique et même un objectif à, à long terme sans lequel le communisme ne peut non seulement jamais advenir, mais ne peut pas, à proprement parler, être pensé en réalité euh, et élaboré. Néanmoins, le véritable centre du pouvoir social, euh, ce n'est pas tant les assemblées. Hein, parce que les assemblées, on a vu en France que justement, euh, elles se sabordent elles-mêmes en quelque sorte. Hein. Euh, ce qui se joue véritablement, c'est le cœur de l'appareil d'État. Une machine administrative et militaire euh, et, et, et répressive et, 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 et bureaucratique. Et, et là, il n'y a pas discontinuité, il y a continuité. Alors, ceci étant, il ne faut pas... Prendre euh, ces, ces, cet extrait comme le dernier mot des élaborations de Marx et Engels sur l'État. Hein. Et on a souvent comparé la vision et en particulier cet extrait, la vision de l'État dans le 18 brumaire. C'est une vision très tocquevillienne sur laquelle, euh, sur des points importants, Marx et Engels vont faire des rectifications explicites. Par exemple, euh, euh, à partir de 1870, Marx et Engels vont dire non, il n'y a pas continuité dès la première Révolution française, parce qu'en réalité. La première révolution française et les Jacobins vont instaurer une large décentralisation du pouvoir. C'est Napoléon, Napoléon Ier, qui instaure le, la, la véritable centralisation et la bureaucratisation. Donc, au contraire, ils vont comprendre ce que le mouvement ouvrier français, d'ailleurs, porte, notamment pendant la Commune de Paris, c'est-à-dire se réclamer du type de démocratie que les sans-culottes, par exemple, parisiens, ont mis sur le devant de la scène de démocratie, on va dire, directe et ou participative, euh, qu'on a vu éclore euh, à, à, à ce moment-là. Donc il n'y a pas une continuité ininterrompue. Euh, ça, c'est Tocqueville, ce n'est pas Marx. Ma, Marx est très Tocquevillien, en fait, dans cet extrait, et cette, 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 euh, ce parallélisme, Marx-Tocqueville, a été euh, euh, très bien vu, en, en fait, par, par quasiment tous les commentateurs et, et historiens de, de ce texte. Euh, L'État n'est pas non plus simplement un parasite. Bien sûr, la bureaucratie capte l'initiative populaire et est un obstacle à l'auto-organisation populaire. Ça, c'est l'accent de ce texte. Raison pour laquelle le mouvement ouvrier ne peut pas utiliser tel quel l'appareil d'État, euh, contrairement à ce que dit le manifeste. Le manifeste dit, nous mettrons euh, l'État et la centralisation étatique au service, justement, de... Euh, la collectivisation des moyens de production. Là, Marx et Engels comprennent que l'appareil d'État tel qu'il est ne peut pas être utilisé par euh, il commence à comprendre ça. Ça deviendra beaucoup plus clair avec l'expérience de la commune de, de, de Paris. Mais l'État n'est pas non plus simplement un parasite. Euh, et ça, Marx et Engels vont comprendre qu'il y a des fonctions générales de l'État, un texte comme la critique du programme de Gotha et les travaux de, de, les derniers travaux d'Engels sur l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État mettront l'accent sur le fait que l'État assume des fonctions générales qui peuvent être remplies autrement, mais qui ne sont pas réductibles à des fonctions euh, simplement parasitaires. Et d'ailleurs, l'État bonapartiste ne sera pas simplement un parasite. L'État bonapartiste rendra possible un essor économique du capitalisme et de la bourgeoisie sans précédent en réalité pour les normes de, de la France de cette époque. Alors on est au terme de notre parcours. Statiste, peut-être une dernière question juste pour qu'on essaye de synthétiser et de se rappeler quelles sont les principales leçons stratégiques et à quoi aboutissent Marx et Engels à l'issue de, de ce parcours donc de 1848 à 1852. Bien, alors la première chose qu'il faut dire, c'est que euh, ça conduit à des remises en cause assez profondes de l'hypothèse stratégique qui a été euh, élaborée. Euh, euh, dans le manifeste et dans les textes qui suivent immédiatement euh, le début de la vague révolutionnaire de 1848. Euh, les révolutions de 1848 n'ont pas été la répétition radicalisée de la séquence révolutionnaire euh, 1789-1793. Il n'y a pas eu de montée ascendante de la révolution, mais l'inverse, une descente euh, et une involution des processus révolutionnaires. Il n'y a pas eu de moment... Euh, républicain démocratique. La bourgeoisie, au lieu de jouer un rôle euh, euh, révolutionnaire, que ce soit en Allemagne d'ailleurs ou en France, euh, a fait exactement l'inverse. Euh, en Allemagne, elle a préféré le compromis avec l'ancien régime, et ce scénario se reproduira dans bien d'autres pays européens, du reste. Et en France, elle a préféré confier euh, ses, son sort euh, à un Bonaparte euh, plutôt que de maintenir un régime républicain qu a, qui s'était de toute façon, en, en très large partie, s'abordé euh, lui-même. La guerre européenne, qui aurait permis la radicalisation de la situation, non plus, euh, n'a pas, pas eu lieu. Bon. Euh, les offensives ouvrières, par contre, ont eu lieu. Juin 1948, c'est effectivement produit. L'hypothèse selon laquelle l'unanimisme républicain n'allait pas tenir a effectivement euh, été, euh, été, été confirmée. Euh, mais euh, cette, cette, cette insurrection ouvrière a été écrasée et euh, les, les, les autres forces populaires qui ont essayé de reprendre après le flambeau, euh, notamment en France avec euh, juin 49, euh, ont échoué. Les tentatives de réorganisation euh, de, la, de, de la Ligue ont elles aussi échoué. Donc aussi bien le Front unique avec la bourgeoisie euh, a échoué que euh, l'autonomie et l'indépendance de classe qui a été réelle, puisque juin 48 a marqué effectivement une césure profonde, mais n'a pas permis de remporter nulle part la victoire, mais au contraire euh, s'est soldée par des, par des défaites très sanglantes. Donc, c'est une défaite, c'est une défaite très profonde euh, qui remet en cause euh, à terme euh, mais ça, Marx et Engels ne vont pas le comprendre tout de suite. Euh, L'hypothèse sous-jacente, plus fondamentale de tout ça, qui était l'idée que euh, la société bourgeoise était arrivée à, à, à ses limites historiques en quelque sorte, hein, que la, la, la crise, crise qu'on qu était euh, face à une crise finale. Marx pensera, continuera à penser en, en termes de, de, de répétition de la séquence crise-révolution. Il pensera que d'autres euh, crises économiques sont bien sûr inévitables dans le cadre du, du, du capitalisme et que de nouvelles explosions révolutionnaires vont en résulter. Euh, quand il reprend son travail de critique de l'économie politique en, en 1857-58, il dit, voilà, il y a une nouvelle crise qui s'annonce, je dois vite terminer mon travail avant le nouveau cataclysme parce que la, la révolution va reprendre un peu partout euh, euh, en Europe. Bon. Euh, euh, Marx va comprendre que, et Engels, et ils vont le dire d'ailleurs dans le texte tardif, qu'en réalité, euh, le capitalisme a des marges d'adaptation. Beaucoup plus, beaucoup plus importante, que la stratégie révolutionnaire elle-même doit être repensée. Mais des éléments pour cette repensée de la stratégie révolutionnaire, on les voit apparaissent déjà. Euh, certes, dans l'adresse de 1850, euh, l'hypothèse euh, d'une révolution imminente euh, va être infirmée. Euh, néanmoins, l'idée qui se dégage euh, d'une évolution révolutionnaire, euh, d'un mouvement prolongé où il s'agit de conquérir des positions, elle, par contre, aura, aura un avenir qui n'exclura pas d'ailleurs le fait que de nouvelles offensives révolutionnaires comme la Commune de Paris peuvent aussi surgir quand de nouvelles guerres, justement, éclateront en Europe, que ce soit la guerre franco-prussienne, où on peut penser évidemment à, à la Première Guerre mondiale et à la vague révolutionnaire qui s'en hein. Donc il, il, faut, il faut toujours être prudent de dire qu'est-ce qui, euh, qu qui a été infirmé, qu'est-ce qui n'a pas été infirmé. Mais moi, la leçon principale que je retiens, c'est que... Euh, euh, ce qui est fondamental pour Marx et Engels, c'est de tirer la leçon des expériences concrètes. Ils élaborent des hypothèses, c'est avec ces hypothèses qu'ils essaient de guider leur action et leur intervention dans une conjoncture déterminée, mais après, ce qui est essentiel, c'est d'analyser justement cette expérience, de réajuster les hypothèses stratégiques, de reprendre le travail théorique de fond sur le, sur, sur le capitalisme, et c'est dans cette interaction justement entre la singularité des conjonctures, les hypothèses stratégiques et le travail théorique, sur les, sur les fondements, que se trouve le véritable enjeu de ce que Marx et Engels essayent de faire en tant que théoricien révolutionnaire et militant communiste. C'est une belle synthèse et c'est inspirant, je l'espère, pour celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Euh, on a fini ce, ce voyage aujourd'hui dans la Révolution de 1848. On espère que ça vous a donné envie de creuser et surtout de lire Karl Marx et Friedrich Engels. Merci encore une fois à mes invités, à Statis Kouvelakis, à Adèle Hanel pour sa collaboration. Et on vous dit à bientôt sur hors série et sur Spectre.